Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va? Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live. Ravi de te voir, de te retrouver ce soir. Enfin, pour toi, il sera 6h du mat, mais ça, c'est une autre histoire. Bonsoir, nous sommes actuellement le 20 septembre 2024. Il est 20h19 et nous nous retrouvons ce soir pour jouer à un nouveau jeu, comme d'habitude, bien sûr. Mais ce soir, nous allons jouer à un jeu d'horreur. Un jeu d'horreur et qui fait peur. En tout cas, les opus précédents nous ont fait peur. Parce que oui, cette licence-là, on la connaît. Regarde, c'est le jeu de vendredi. Ça s'appelle Fear to Fathom. Le jeu s'appelle Woodbury Getaway. Et Fear to Fathom, nous avons lancé les streams YouTube avec ce jeu. Rappelle-toi, hein, le premier stream que j'ai fait sur YouTube il y a un an. Enfin, stream en même temps Twitch et YouTube, je veux dire. C'était sur le premier opus de Fear to Fathom, si on ne compte pas l'opus qui dure 20 minutes. C'est un jeu qui se passait dans un motel au bord d'une autoroute et qui était terriblement effrayant. Enfin, pas pour tout le monde, mais moi en tout cas. Enfin, je me souviens déjà qu'au début on avait fait bugger le jeu, on était passé sous la map sans faire exprès, la blague. Mais moi il m'avait fait très très peur. Le style graphique joue beaucoup. L'ambiance du jeu, qui est le monstre. Bon là c'était un homme. Qui est le personnage qu'on joue. Bon là c'était une femme. Beaucoup de choses qui fait que quand tu te mets dans le roleplay, quand tu te mets dans le mood du jeu, ouh t'es pas bien. Où t'es pas bien, tu te sens en danger partout, c'était vraiment une ambiance assez c'était quelque chose cet épisode 1. Après l'épisode 2 était dans une maison où on jouait un petit peu avec des caméras de surveillance de la maison, on regardait, et il y avait une femme qui était un peu, je trouve plus mes mots, putain ce soir c'est dur de parler, je trouve plus mes mots, mais qui était un peu très à fond sur le celui qui possédait la maison si je me rappelle bien. Le jeu faisait pas trop peur. Sauf la fin, j'étais assez effrayé à la fin quand on savait que la femme était dans la maison, ça m'avait buté. Troisième épisode, c'était dans une tour de garde, dans une forêt. Non, je souris parce que ce mot je le retrouvais plus, c'est le chat qui me l'a donné tout à l'heure. Celui-là faisait pas trop peur, il était un peu long pour pas grand-chose. Mais j'ai eu peur quand le mec était rentré dans la cabane et j'ai eu peur de la fin du jeu quand on prenait la photo. J'en dis pas plus si vous n'avez pas vu la rediff. Voilà, donc si on reste dans cette même optique de jeu, il se peut que l'épisode de ce soir fasse très 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 peur. Et j'ai pas hâte. J'ai pas hâte du tout quoi. Donc on va aller voir ça. Bref. Bonjour le chat Twitch. Bonjour Twitch et YouTube. Bonjour la rediffusion YouTube. J'espère que tout le monde va bien. Merci Infinity28 pour les 7 mois de resub. Et merci Yaomiol pour les 30 mois de resub. Merci pour... Merci même si tu n'écris pas beaucoup. Merci pour ton message. Allez, je coupe la musique. Parfait. Nous on est bon, je vais lancer le jeu maintenant. Le jeu est installé. Oui. Prêt à être lancé. Steam est ouvert, donc ça risque d'aller assez vite. Je vais... Attends, vous mettre l'image du jeu qui est celle-ci. Toutes les musiques dans cette vidéo sont copyright free. Oh, quelle bonne nouvelle. Merci de me dire ça. Formidable. Merci de mettre le jeu en français. Formidable aussi. J'entends pas beaucoup le jeu de mon côté. Vous, ça devrait le faire. De toute façon, on va attendre d'être dans le jeu pour voir... Voilà, ça vous donne une petite idée. Ok, bon, parfait. Non. Ouais, d'accord. Le son des toilettes, ok. Le son de manger, ok. On propose de les désactiver, c'est marrant ça. Allez, on y va. Donc ça, c'est les 4 épisodes dont je parlais. Suite 20 minutes. Celui du motel. Celui de la maison. Celui de la forêt. Et maintenant, nous allons découvrir Woodbury Getaway. Comment on peut le traduire ça? Bon, Wood, c'est forêt, Bury, je suis pas sûr. Et Getaway, c'est pas en mode. C'est pas en mode faut se barrer, un truc comme ça là. Et nouvelle partie, bien sûr. Ah, pardon, attends, Fear to Fathom. Ah oui, mais ça, c'est le message habituel. Fear to Fathom est un jeu horrifique psychologique au format épisodique dans lequel chaque épisode compte une courte histoire narrée par ceux qui ont survécu. Vous jouez à l'épisode 5. Ah, durée de l'épisode 2 heures, ah oui. Ah, quand même, c'est long, 2 heures. Hein. Putain, 2 heures de. Oh là là, 2 heures de flip, c'est con. Hein. Bury s'est enterré. Ah ouais? Escapade, la fuite en gros. Donc la forêt enterrée qui s'enfuit. Let's go! On a tout compris, nous. On y va. Bon, j'ai peur. 2 heures, ça va être long. Oh là là là. Épisode 5. Mais ça va pas faire peur pendant 2 heures. Le coup, dans l'épisode dans la forêt durait 2 heures aussi. Et justement, comme il était long, c'était pas effrayant tout le temps. Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre un jeu plus long. Il me fallait un café pour en finir avec ma journée. Ouais, ce que je veux dire, c'est que peut-être que les jeux sont plus intenses s'ils sont plus condensés avec une peur tout le long du jeu. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, moi, perso, j'ai pas peur. Il y avait vraiment écrit, appuyez sur espace pour se lever et moi, je vais sur le PC. Ok, qu'on soit bien d'accord.
Oui, je voulais vous demander, c'est fluide chez vous, ça va? Ouais, ça a l'air d'aller, je crois. Qu'est-ce que je fais moi? Je travaille dans une entreprise qui fait des tableaux Excel, c'est ça? Oula. Alors. Ah ouais, non, attends, parce que j'allais écrire le caca. Mais si c'est le vrai, si c'est une vraie recherche internet là, je suis foutu, non? Un truc gentil, un truc mignon, un truc tout doux. Licorne. Allez, cherche sur internet la licorne. Non. Donc ça ne marche pas comme ça. Oh merde. Hey, mais il y a un jeu dans le jeu ou c'est comment là? Attends, je dois faire quoi? Allô? Mais il y a un truc à faire, mais. Mais il va se faire. Mais quoi? Mais à l'aide? Attends, il y a un bouton? Attends, mais je joue la manette ou pas là? Bon, oh, j'ai rien compris. Attends, mais à l'aide? Mais attends, mais ça se joue comment cette histoire? Allez, super. Ça, on appelle ça un rage kit. Alors, il y avait une histoire de, on voulait un café. Ok, je bosse ici. Bonjour, les locaux de The Office. Ah, j'allais dire, on peut pas courir, mais là, en fait, je suis actuellement en train de courir. Bonjour. Un petit café. Bon, j'imagine que c'est pas là qu'on peut. Ah, il fallait écrire des mots. Ah merde. Choisis ta boisson. Bah, j'en veux aucun. Bon, bah, mais en fait, il n'y a pas de café. En fait, je m'en fous. C'est ici qu'on fait les cafés. Il fallait que je prépare une tasse de café. Ah, merde. Non. C'est certainement pas comme ça qu'on. Ok. Non. Il manquait de l'eau. Vas-y, je connais pas moi le game du café. J'ai pas de cafetière chez moi, je connais pas tout ça, je sais pas. Il me fallait un récipient vide pour remplir l'eau. Putain, c'est foutu. Oh, mais il est rouge sang ton café là. Qu'est-ce que c'est? Oh, les chips, putain. Alors, ça, c'est une erreur de les avoir laissés. J'avais besoin d'un couvercle. En soi, non, t'as pas forcément besoin d'un couvercle. J'avais besoin d'aller aux toilettes. Oh, mais il est relou c'est un Tamagotchi le truc là, qu'est-ce que c'est? Enfin. Putain, j'ai vraiment un cerveau très perturbé, hein. Parce que là, on y voit très clairement une forêt. Mais tu le vois ce petit trait noir là? Tu le vois ce petit trait noir? Bah, laisse-moi prendre du recul. Et bah, de très loin, j'ai cru voir des fesses. J'ai cru des fesses. Toute la partie éclairée de la forêt, c'est le corps. Et bon, tu vois, c'est ça le problème des streams. Si j'étais en vidéo YouTube, ça, je l'aurais coupé. Parce que je me dirais, ah, mais non, ça va te donner une sacrée mauvaise image. Faut pas, surtout pas en fait. Et en stream, le problème, c'est que voilà, c'est dit. On joue une femme, tu vois? Et comment savoir qu'on joue une femme? Parce que je vais dans les toilettes des femmes et pas dans celles des hommes. Putain. Eh, le jeu, t'as pas eu besoin de me le dire, de me présenter mon perso, dire comment elle s'appelle ou je sais pas quoi là. Attends. Non, désolé, je fais jamais pipi dans la première, dans les premières toilettes. Je vais toujours dans les toilettes les plus éloignées. Le pipi du café. Waouh. J'ai un peu peur de ce qui peut arriver là. On n'est pas en sécurité quand on fait le pipi. Y a pas une tête là qui va passer. Ah mais y a clairement quelqu'un dans les chiottes. Mais c'est pas très grave. Quelqu'un d'autre a le droit de venir pisser. On rabat la cuvette, c'est bien. Y a quelqu'un? Non mais c'est pas un jumpscare ça. Et à quel niveau c'est un jumpscare ça? À quel jour de la semaine c'était un jumpscare ce que j'ai vu? Moi je considère que c'est une tentative d'assassinat. Moi je considère que c'était un move illégal. Ça,
Mais c'est une arme blanche, ce jeu, en fait. C'est pas possible. Il y a intention de nuire, là, dans votre jeu. Bon, du coup, il y a eu un gros bruit. C'est l'occasion de savoir, est-ce que le son est fort, est-ce que le son est faible? Je vous écoute le chat. Et je prendrai en considération vos réponses. Ah, un peu faible. Un peu faible, tu dis, ben, je te l'augmente un petit peu alors. Un peu comme ça, quoi. Bon, si jamais il est amené à être trop fort après, je compte sur vous pour me le dire. Les modos, si vous le voyez dans le chat, ou si vous considérez que le jeu est trop fort, vous me le dites sur Discord. Je suis vraiment désolé, madame, je ne savais pas que vous étiez là-dedans. Il a une tête. Il sourit et à la fois il fait la gueule. Comment c'est possible ça d'avoir les deux émotions sur une seule et même bouche? Comment allez-vous? Pas trop mal, madame. Je finissais tout juste mes rondes de ménage. J'aime nettoyer tard parce que c'est plutôt calme à cette heure-ci. Tu travailles encore tard, hein? Ah, mais on se tutoie. D'accord. Eh ben oui. Vous, les jeunes, vous ne comptez pas les heures. Fais attention à prendre soin de toi. Ouh, merci. En fait, tout ce qui est de type. Tout ce qui est de type de sexe masculin dans ce jeu, moi je me méfie en fait, je vous avoue. J'ai trop peur. Pourquoi j'ai. Ah oui, pour se laver les mains. Putain, mais. Waouh, l'inconscient est trop fort. Tu sais que je m'en suis même pas rendu compte que je me dirigeais vers le lavabo et que j'ai cliqué. Putain, ça s'est fait automatiquement. Faux pharaude propre un peu, je trouve. Hein. Faux pharaude pas mal. Besoin d'aide pour quoi que ce soit, je viens de finir mes rondes. Non, mais c'est fou, il est très gentil. Même si son visage, je peux pas m'empêcher de penser à la ref Tréglock, celui qui possédait une île. Et sur cette île, il se passait des choses très pas bien avec des stars d'Hollywood et tout ça. Je sais plus comment il s'appelle. Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment la même gueule pour le coup. Oui, oula, c'est pour ça que j'ai pas donné plus d'indices sur ce que je disais. Ah voilà, ouais, bah, je pensais à lui, effectivement. Je vois sa tête, j'ai vu trop souvent ce TikTok de One Piece où Luffy, les autres Mugiwara, ils arrivent sur une nouvelle île, mais ils arrivent pas sur la bonne île du coup, et il y a sa grosse tête en gros plan. Et ça m'a fait rire malheureusement. Besoin d'aide pour quoi que ce soit, je viens de finir mes rondes. Je n'ai rien pu répondre apparemment. Bon, hey. Partons dans l'optique de il est pas méchant. Il est pas méchant et donc il peut m'arriver rien si. Tu vois, il y a un monsieur qui est là pour me protéger, donc tout va bien. Allez, bois du café. Reste réveillé, quoi. Au cas où. Mon bureau était. Ah, mais attends, j'ai carrément le téléphone qui sonne, je crois. Ah, pour jeter. Ou alors je lui jette à la tête là-bas. Non, ça va l'énerver. Merde. Je veux mon succès Steam. Je veux mon succès Steam. J'ai pas droit à un succès Steam pour jeter le. Ouais, je suis déçu. Ouais, le jeu il a changé. Le jeu vidéo a changé. Alors. Bonjour, allez voir Sydney Harper. Bonjour. Hey, Harp, it's Mike. Salut Harp, c'est Mike. Salut Mike. J'ai essayé de t'appeler sur ton téléphone pendant ces deux dernières heures. Ça tombait en boucle sur ta boîte vocale. Tout va bien? 2 heures? Je vais pas l'épicer pendant 2 heures quand même. Ma batterie crève au pire moment. Ah mais d'accord, mon portable, ok. Je commence à croire... Pas mon fixe. Je commence à croire que tu m'ignorais peut-être. Et c'est là que le jeu est un peu mal branlé. Malheureusement, je n'ai pas la suite du texte. Non, ça s'est carrément interrompu pour un client plus tard. Bon, je vais rien dire. Je plaisante, hein. Enfin bref. Qu'est-ce que tu fiches encore au travail? Il se fait tard. J'ai été noyé sous le travail ces derniers temps. Je fais des heures sup. Merde, ça a l'air chaud. J'ai bien fait de t'appeler pour te remonter le moral. Aucune validation de ce qu'il vient de dire. À propos du voyage, tu as eu l'occasion de réserver la location? Je veux juste vraiment te voir, toi et Nora. Putain, j'arrive pas à comprendre. Moi et Nora? Mais c'est qui? C'est mon ex, un truc comme ça? On partage la garde, un truc comme ça, non? J'allais le faire après le taf. Pas de soucis, Harper. Mais il m'appelle par mon nom de famille, c'est très bizarre. Je veux pas te stresser. Dès lors que tu réserves ce soir, normalement on sera bon. Hey.
Je me disais, vu qu'on habite tous les deux en ville, peut-être que je pourrais venir te chercher et on roulerait ensemble. Ça serait chouette de rattraper le temps. Ah non, en fait, non. Non, je suis pas sûr de comprendre. C'est juste un collègue, en fait. Et ah, genre, il y a un voyage de travail organisé avec tous les collègues. Tu sais, économiser de l'essence et revivre le bon vieux temps. Mais on se connaît depuis longtemps, apparemment. Juste un peu de moment, Mike et Sydney. Avant que Nora arrive. Je m'appelle Sydney Harper, c'est ça? Bien sûr, ça m'a l'air bon. Nickel, j'imagine que je vais te laisser reprendre ton travail alors. Oh, attends, encore un truc. Quand tu feras la résa, assure-toi de rester en dessous des $100 la nuit. Nora et moi, on discutait et elle était short au niveau budget. Ça a pas été idéal pour elle dernièrement. Bien sûr, je vais trouver quelque chose d'abordable. Ça sera exactement comme l'époque de la fac. T'avais toujours eu le coup de main pour trouver les meilleurs spots. Tu te souviens de ce petit café que t'avais trouvé pendant notre trip en Oregon? C'est bizarre parce que soit je continue la discussion, soit j'essaie de fuir. Le Nook Café? Le Nook Café? Comme Tom Nook, c'est ça? Putain, j'ai un doute là d'un coup, je sais pas pourquoi. Oui, ça me manque cette époque, Harp. Bon bah je devrais vraiment faire la réservation. Ah oui, bien sûr, désolé de piailler. Je suis juste excité, je présume. Vas-y, on se reparle plus tard, Harp. Ok. Bon, je vais jouer maintenant. Bon, c'est quoi l'histoire? Il faut que j'écris des trucs, c'est ça? Des mots, vite. Genre, farm. Ah, d'accord. Mais c'est nul. Head, end, total, behind. Merde, ça serait plus facile si les mots étaient en français, bien sûr. Wish. C'est quoi accuracy en haut à droite? Protect, fear, same, go, région, broad. Ah, c'est la précision. Ah oui, bah, j'ai fait une erreur tout à l'heure, c'est pour ça. Je pense que ça a un intérêt ce qu'on est en train de... Oh, il y a un alien différent. Ouh! Include room afraid. Tu crois que ça a un intérêt pour le jeu vidéo, pour l'histoire du jeu, ce qu'on est en train de faire, ou c'est juste pour rallonger la durée de vie? Exemple particular now shell. Je suis en train de réserver, ok? D'accord. Alors arrêtez, vous me cherchez là. Grand plan receive tube expérimente divide might. Oh, c'est dur d'écrire des mots anglais. Coton phrase motion visite slow beard oase. J'ai plus que 60 points de vie en nom. Non, il n'y a pas des mini-jeux dans les anciens épisodes, enfin, pas que je me rappelle. Ah, mais c'est très court, en fait. D'accord. Bon, c'est vraiment pour augmenter la durée de vie du jeu, quoi. Bon. Merde, mais attends. Comment on réserve? Il m'a donné un site ou... Ah d'accord, j'étais en train d'écrire réserver vacances. Rente à cabine. Rente à cabine. C'est marrant. Enfin, j'imagine que c'est en anglais, mais en français ça sonne trop bien, on dirait un jeu de mots. Rente à cabine.com. Où est-ce qu'on va? Je sais pas. À Woodbury. Eh, hey, mais c'est le nom du jeu, c'est fou ça. Alors il a dit en dessous de $100 la nuit, c'est ça? Ouais, mais plus on va prendre un truc un peu nul. Ouais, bon, il n'y en a qu'un seul évidemment. Et plus... ah non, ça craint pas. Elle est mignonne. Mais elle est mignonne comme tout cette petite maison, c'est trop bien. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Allez, on va booker la cabine. 3,1 étoiles, 2 reviews. Votre booking a été confirmé. Et on imprime tout ça. Et j'imagine que tu reçois des centaines, voire des milliers d'histoires chaque jour. Donc je vais te donner un résumé rapide d'un truc qui m'est arrivé.
Je suis désolé si c'est rédigé bizarrement, mais j'étais dans le rush. Qui parle? Au début de ma vingtaine, je travaillais dans un gros cabinet de conseil de ma ville. La vie au cabinet était un jonglage constant de deadlines et de rendez-vous clients, tout en essayant de prouver ma valeur. Ce qui me laissait peu de temps pour les loisirs, sans parler de ma vie sociale. C'était bien payé, c'est sûr, mais au prix de ma santé mentale. Je suis Sydney Harper, et cette histoire prend place durant une de ces journées. Un de mes amis de la fac, Mike, a proposé de faire un week-end d'escapade dans la campagne du Vermont. Ce qui sonnait comme une pause parfaite dans mon cycle de travail. Et mon autre ami Nora a également vite embarqué avec nous. Le plan était simple. On loue une petite cabine, on finit notre journée tôt le vendredi, et on rentre le lundi. Mike... lundi, pas dimanche, vous êtes sûr? Ah ouais, d'accord. Mike est venu me chercher. 2 jours plus tard. Tu es trop souriant, Mike. On appelle ça le prime, en fait, hein. Voilà. Inspirez-vous, je sais pas. Énorme. Merci pour le prime. Échappe pour raccrocher Michael G. Carter. Et comment je fais pour répondre? Je suis obligé de raccrocher? C'est qui Michael G? Michael G. Attends, mais... Ah, échappe pour lire les messages. Oula! Oula! Je peux pas lire deux boîtes de dialogue, c'est trop! Yo Harp, comment tu vas? Ah, Michael, c'est Mike! Ok. C'est le poteau. Merci Shiroza pour les 48 mois de resub, ça fait 4 ans, merci beaucoup. Xoromane, merci pour les 1 an de resub, ça fait 12 mois, merci beaucoup. DuckHTML, merci pour les 6 mois de resub. J'espère qu'il y aura un pied débiché dans ce jeu. Et pourquoi pas, on peut y croire. Nebula Darkmoon, merci pour les 29 mois de resub. Tatashi, merci pour les 9 mois de resub. Lucas Twitch, merci pour les 13 mois de resub. Attends quoi? Désolé de te déranger pour ça, mais je t'avais écrit un mail suite aux Z-Event ayant fait des donations. On appelle ça le prime, en fait, hein. Après le week-end, mais voilà. Tu n'as pas répondu. Inspirez-vous, c'est normal, j'ai répondu à personne pour l'instant. J'ai juste récupéré les adresses postales de tout le monde. Ah oui, je peux pas. Je sais pas combien de mails j'ai reçus, mais si je commence à répondre à tout le monde. Mais t'inquiète pas, si tu m'as envoyé tes infos, que t'as fait une donation et que ton adresse est correcte, tu recevras ce qu'il faut en temps voulu. Voilà, mais ne t'inquiète pas. Ensuite, nous avons Sunny Sunflower Me, merci pour les 6 mois de resub. Adre09, merci pour les 5 mois de resub. Te détendre avec le jeu de ce soir, je suis pas sûr que tu vas te détendre. Hein. Ouais. Héloïse, merci pour les 45 mois de resub. KN Sartre, merci pour les 22 mois de resub. Notanama, merci pour les 7 mois de resub. Jambon Motivation, merci pour les 3 mois de resub. MyQueen94, à ce moment Prime, pour la première fois de sa vie, bienvenue. Merci pour le Prime, merci pour la notif Prime. Et Bugs0607, merci pour le Prime aussi. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Alors Yo Harp, comment tu vas? Mike, je suis juste crevé, je voulais partir me coucher directement pour cette nuit. Et toi? Pas grand chose, j'essaie juste de garder la tête hors de l'eau, mon pote. Mon pote? Ça se passe comment à ton nouveau taf? C'est à peu près comme mon ancien job, j'ai l'impression de dépenser mon espérance de vie en codant. Mais au moins la paye est meilleure. Enfin bref, je pensais à notre discussion d'aujourd'hui. Mike, je sais pas du tout. S'en aller, c'est cool, mais ça fera tellement de travail à boucler avant de partir pour le week-end. Tout ce que je vais faire, c'est penser qu'au taf que j'aurai à faire en rentrant. Écoute-toi, Harp. On parle de prendre un week-end sympa, relaxant. Et tout ce qui te vient à l'esprit, c'est comment rendre la détente. J'ai pas eu de vraies vacances depuis une éternité, Mike. Je suis même pas sûr d'encore savoir comment me détendre. Je travaille toute la journée et quand je rentre, je pense juste au travail que j'ai pas pu finir. C'est dur de juste déconnecter, tu sais. Mais attends, mais pourquoi il s'engueule là? Mais peut-être c'était longtemps avant l'appel téléphonique. C'est précisément pour cette raison que tu devrais venir. Vois ça comme ça, Sydney Harper. C'est bizarre les gens qui s'appellent les autres par nom et prénom. T'es comme une batterie, pleine de puissance et de productivité. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu laisses tourner la batterie trop longtemps? Ça perd de sa durabilité. On doit te remettre à charger, Harp. Tu retourneras au taf après le week-end avec plus d'énergie que jamais. 20% de productivité en plus. Qui sait? Peut-être que tu me remercieras plus tard. Chelou. En plus, Nora a vraiment trop hâte. Ça serait vraiment pas pareil sans toi. Désolé, je me suis effondré hier soir. Fais chier, vas-y. Je vais check avec le RH. Je vous tiens au jus. Oh, je vois un smiley cœur, j'aime pas. Prends ton temps à Harp. Garde juste à l'esprit que peu importe ta décision, on est là pour toi. Ouais. Harp, ton numéro fait que tomber direct sur la messagerie, tout va bien, rappelle-moi, je m'inquiète un peu. Je viens de réserver. Ça y est, tu vas plus jamais répondre, appelle-moi s'il te plaît. Je suis sorti du taf, ça y est. Ok, je m'y dirige. Je vais entrer dans le garage, là, t'es en bas.
Donc c'était sûrement lui qui avait dans l'ascenseur avec moi. Et là, c'est Rick Wilson, à qui on n'a pas pris l'appel. Salut Sydney, merci d'avoir réservé ma propriété à Woodbury du 10 au 12 décembre. Je suis Rick, votre hôte. Peut-être très hôte. Trop chiante cette blague, je la fais à chaque fois, c'est relou. Non mais elle est lourde. Prévenez-moi si vous avez la moindre question et n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit pendant votre journée. Je suis enthousiaste de vous héberger. Merci Rick. Merci Rick, nous avons hâte. Juste pour être sûr, le check-in est bien à 15h. Oui, c'est exact. La clé sera dans un coffre-fort au niveau de la porte de devant. Le code est 5176. Bon, le chat, vous notez et vous vous souviendrez du coup 5176. Merci M4 pour les 6 mois de resub. Très bien. Bon. Je prends ma valise. J'imagine que c'est notre voiture, ça? Pas du tout. Il est où le collègue? Ah, merci Lazaris de l'avoir écrit. Ah, il est là. Enfin, est-ce que c'est lui? J'imagine que c'est lui vu qu'il klaxonne. Comment ça, la seule possibilité c'est de lui faire un câlin. Mais en fait on l'aime bien ce garçon. On l'apprécie bien. Vu comment elle voulait vite raccrocher l'appel et tout, je comprends pas. Je suis pas encore bien sûr d'avoir compris les persos. Voilà, il y a un malaise. C'est encore comme ça que tu fais des câlins aux gens? Pourquoi tu me fais pas de câlins comme si je t'avais manqué? Je vais rien dire. Attends, je crois que je pars pas dans la bonne direction là, dans ma façon de jouer. Enfin, dans ma façon d'interpréter le personnage. First of Atom, ça m'a trop habitué à me méfier de tout le monde. Mais j'ai l'impression que, regarde, le premier truc c'est que on m'a proposé de faire un câlin, rien d'autre. Là, il me dit tu es beau. Bon, ne faites pas attention, il y a une erreur de traduction. C'est en gros, c'est tu es belle. Mais il est traduit de l'anglais au français, il a pas genré, je pense. Mais et là on me propose quoi? Et toi donc, Mike? Donc je peux rentrer dans son jeu de séduction ou je peux ne rien dire? En fait, je suis pas sûr de... j'ai pas le passif du perso, j'avoue. C'est le meilleur pote de la fac. Ouais, donc il est dans la friend zone en gros quoi. Merci de m'avoir récupéré. J'aurais pas pu faire autrement. Ça serait cool d'avoir de la compagnie sur le chemin. Ce vieux camion me rappelle tellement de souvenirs. Pas vrai, cette bécane, on a vu toutes les couleurs. Tu peux juste balancer tes affaires à l'arrière et on va démarrer. Ah. Ça c'est bien un truc... Bah alors? Ah oui, balancer. Ouais, balancer c'est balancer. Ok Harpe, t'es prête à prendre la route? Où est Nora? Oh, je le sens arriver gros comme une maison qu'elle est pas là en fait. Depuis le début, il dit ouais, la droite, Nora et tout, et elle sera pas là. Et il s'est juste démerdé pour qu'on soit seuls tous les deux. Gros, gros, gros red flag. C'est le moment de reprendre ton sac et de surtout pas y aller. Tant pis, 100$, c'est la vie, c'est pas grave. Elle nous rencontrera là-bas. Ok, j'ai été très mauvaise langue. Mais je suis trop méfiant en fait. La route à travers la ville aurait fait un détour pour elle de toute façon. Ouais, je sens qu'elle sera pas là du tout en fait. Très bien, Harpe. Je sens qu'elle sera pas là du tout, en fait. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est giga sûr. 4h26 de l'après-midi. Donc 16h30, quoi, en gros. Il commençait à neiger. Bon, ça, c'est stylé, ça, j'avoue. Putain, mais t'es vachement éloigné. Enfin, faut que tu le rapproches, ton siège, un petit peu. Ouais, il y a un malaise, personne ne parle. Harpe, c'est pas bizarre en vrai. Avant, on rêvait de fuir la fac et voilà où on en est. Essayant de fuir la vie qu'on voulait vivre. On avait qu'une hâte, c'était de s'aventurer dans le monde. C'est marrant comment ça fonctionne. Le changement, c'est juste une galère. Essayer de s'adapter à son nouveau travail. En parlant de taf, comment ça se passe jusqu'ici? On travaille sur ce projet qui utilise du machine learning pour prédire les tendances du marché. C'est vraiment le nec plus ultra. On dirait que tu façonnes l'avenir. Pas non plus à la Tony Stark, mais on s'en approche. Tu sais, j'ai jamais pigé. Ça fait quoi les conseillers? On conseille en fait. Couillon, va. Ça sonne comme... du travail important.
Ouais. Oui, je disais donc, ton siège est très très reculé, il faudrait que tu te rapproches. Attends, j'ai un message de Rick Wilson, si ça ne te dérange pas, en fait. Je ne peux pas le lire, d'accord. Harpe, est-ce que la fac te manque des fois? Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je partage aussi personnellement. Seulement la bouffe de la cafétéria, rien d'autre. Purée, ces tacos me manquent. Moi, c'était les pizzas. Oh. Quoi? Pourquoi il y avait un bus scolaire, ouais? T'as vu ce bus scolaire? Vu quoi? Un bus scolaire là-bas vers la vieille maison. C'est peut-être un projet. Tu sais, genre l'idée de quelqu'un d'en faire une mini-maison sur roue ou un truc du style. J'ai vu des gens sur internet faire ça. Moi, d'accord. Donc il faudrait vraiment que tu rapproches ton siège, je pense. Alors, il est bientôt 17h et je n'ai... Oh putain, on avait dit 15h. Je n'ai pas reçu de confirmation d'autre part, je voulais juste vérifier que tout se passait bien. Les routes près de Woodbury peuvent être un peu dangereuses si vous n'êtes pas... Oh, flûte. Il est sorti de nulle part, tu sais. J'ai lu sur internet que dans l'histoire des natifs américains, voir un cerf traverser ta route, c'est genre un mauvais message de l'univers. Ouais, bah regarde la route déjà pour commencer, toi. Tenez-moi au courant quand vous arrivez, nous sommes en chemin, nous devrions être là vers 18h, la neige nous a pas mal ralenti, merci d'avoir pris de nos. Ok, confirme-moi quand vous êtes arrivé, s'il vous plaît, faites attention sur la route. Merci d'avoir pris de nos. On est bientôt arrivé. Il devrait encore y en avoir pour 1h30. Oh, c'est long. Tu sais, conduire sous la neige, c'est un peu comme traverser l'espace intergalactique. Comment ça? Regarde comment les flocons virevoltent autour des phares. C'est comme si les étoiles et les galaxies fonçaient droit devant nous. Oui, je vois ce que tu veux dire et je partage ton idée. Y'a de ça. Ça, c'est beau. Merci On Town pour les 2 mois de resub. Merci Clarar05 pour les 23 mois de resub. Bientôt 18h. Bon, on y est surtout 17h. Merci Océane PRT pour les 7 mois de resub. Merci Matflam pour les 2 mois de resub. Merci beaucoup. Bon anniversaire en avance. Yo, Arp, Matza. Quoi? Je vois pas là. Pizza? Oh, j'ai trop faim là d'un coup. Les pizzas de Mo. Putain, j'ai trop faim. Waouh. Mais l'éclairage rend tous les personnages du jeu chelou, quoi. Ouais, j'ai super faim. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une pizza en plus. Tu sais, Harpe, faut que je te dise. Ces nouveaux GPS, c'est quelque chose. Cette pizzeria est précisément là où elle est apparue sur mon GPS. Oui, enfin, c'est le principe d'un GPS. J'ai tellement la dalle que je pourrais manger une pizza entière moi tout seul. Moi aussi. Très bien, Harpe. L'opération arrêt au stand de pizza est lancée. Prépare-toi à atterrir. Je voudrais juste faire une parenthèse. Nora, elle arrive à quelle heure? Parce que si on s'était dit rendez-vous à 15h et qu'il est bientôt 18h, Nora, elle attend seule devant la maison? Elle a pas le code? Elle devrait l'avoir le code, on a dû lui envoyer. Mais du coup, si le propriétaire il me dit que les clés n'ont pas été récupérées, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout là en fait. Bref, peut-être que je me fais des films comme d'habitude. À la pizza fromage, 3$. Putain, c'est pas très cher en vrai. C'est pas cher du tout même. Ils ont plus de salami, ils ont plus de BBQ chicken. Pas trop envie d'une calzone, mais une champignon. Ouais. Ah, quoique la mot spéciale, faut voir ce que c'est. Tu me tiens la porte, ouais, c'est gentil de ta part. Allez, entre, Harpe. Merci. Je suis désolé, je te sens pas, mec. Vraiment, je sens que tu vas me faire... Tu vas me faire un... Ah! Ça va... Je le sens pas. Bonjour, bonsoir les jeunes. On dirait que le froid a donné envie de pizza à tout le monde ce soir. Oui. Vous savez ce que vous voulez, les jeunes? On va prendre 3 parts chacun. Je vais prendre pépé... Ah, c'est des pizzas de parts. C'est pour ça que c'était aussi peu cher. Je vais prendre pepperoni, fromage et une VG. Très bien, et vous? Alors moi, je vais prendre la spéciale de Mo pour goûter. Ensuite, je vais prendre la... Ah, elle est où, là? Bah, j'avais vu la champignon. Moi, je vais prendre la pepperoni. Et une fromage. Une boisson avec ça, les jeunes? Ça devrait aller, juste la pizza pour aujourd'hui, merci. Et moi? J'ai pas le droit de... Bon, mais il décide pour moi, c'est très bien. Alors, 6 parts bien chaudes en route. Ça vous fera 22$. Vas-y, je laisse payer. Déjà, ça sera. On va voir si vraiment il m'invite sans hésiter, sans réfléchir, en mode. Ça cache un truc. Au flûte, j'ai laissé mon portefeuille dans la voiture. T'as du liquide, Harper? Ok, donc il est pas du tout dans l'optique de me draguer. Eh bien, je paye. Sinon, c'est vraiment un gros rat.
Il essaye de me choper et en plus il paye pas l'addition. Ce serait trop bizarre. Votre numéro de commande est 27, asseyez-vous. On vous appellera quand votre pizza sera prête. Très bien, pourquoi il y a Mister Beast derrière? Ok, bah écoute, oh, c'est vraiment que 4 tables quoi, vraiment. Oh, je peux parler avec tout le monde. Comment aller la pizza? La pizza est vraiment bonne. Je crois bien que Mo a ruiné toutes les autres pizzas à mes yeux. C'est notre première fois dans la région. Vous êtes d'ici? Ah ouais, je suis con, putain, je suis con. Non, on est en route pour une conférence à la prochaine ville, plus beaucoup de chemin à faire. Et lui, parle pas. On s'arrête juste pour manger dès qu'un endroit a l'air sympa. Cet endroit a vraiment une ambiance cosy. Meilleure décision du voyage pour l'instant. Et toi, t'es d'ici ou tu passes juste? On a réservé un endroit à Woodbury. Et là, comme je vais dire Woodbury, ils vont tous dire waouh, mais attends, tu sais pas ce qui s'est passé là-bas, les meurtres en série. On a passé un panneau qui disait ça, n'est-ce pas, Chris? Je ferais mieux de retourner à la pizza. Soyez prudent sur la route avec cette neige. Allez, bonne pizza. Ouais, je prends le temps de papoter avec tout le monde, moi. Bonjour. Au revoir, en fait. Bonjour. Comment est la pizza? En tout cas, ma chère, vous ne pouvez pas vous tromper en prenant la pepperoni ici chez Mo. Chaque bouchée que vous rappelle une histoire. Oh, c'est bien dit ça. Putain, ça donne trop envie. Hey, il m'a donné trop envie de manger de la pizza. Mais c'est une folie. Alors, qu'est-ce qui vous amène chez Mo? On va vers une cabane à Woodbury. Woodbury. Incroyable endroit. J'y campais souvent quand j'étais plus jeune. Il y a cette sensation d'être dehors dans la nature avec rien d'autre que les étoiles au-dessus de ta tête. Ces souvenirs, ça reste avec toi à vie. Enfin, je dis vague, jeune femme. Vous avez fait un excellent choix en vous arrêtant ici. Putain, mais pour l'instant, le début du jeu, ça va. Je suis pas trop inquiet. Tout le monde a l'air sympa. J'ai dit quoi? Vous venez souvent ici? Ma chère, je viens chez Mo depuis 85. Cet endroit est rempli de souvenirs à mes yeux. Oh, c'est beau. Par contre, ma fille, bénie soit-elle, essaye de m'empêcher de manger trop de pizza. Pas bon pour un gars de mon âge, qu'elle dit. S'inquiète trop. Ouais, si t'es à deux doigts... Si t'es à 5 ou 10 ans de mourir... Ouais, vas-y, fais-toi plaisir pendant tes dernières années de ta vie, quitte à perdre une année ou deux, mais au moins tu t'éclates le bide, tu te fais kiffer, je pense. Je prends juste une de ces délicieuses parts, environ deux fois par mois. Ça va, deux fois par mois, c'est bon. C'était sympa de discuter avec toi, attention sur la route, toi et ton ami. C'était chouette de parler. Non, mais tout le monde est gentil et bienveillant, je trouve. Vous allez où? Qui êtes-vous? Ouais, j'avoue, j'aurais peut-être dû me présenter, désolé. Je suis Sydney, le son est pas trop fort là, ça va? Écoute, Sydney... On est juste là pour profiter de nos pizzas en paix. Merci de votre... Ouais, désolé. J'avoue, ça se fait pas. Ils sont peut-être en date et tout. Désolé. Ah, il y a plein de gens qui apprécient pas qu'on leur parle et c'est normal. Comment ça va, mon ami, là? Non, pas ami. Ça va et toi? Je suis aussi... En fait, je profite aussi de parler à tout le monde parce que je sens que le personnage, le méchant du jeu, il sera certainement ici, c'est pour ça. Je suis aussi bon qu'un homme peut l'être, mon ami. Tu es très bizarre. Tu précises trop, là. Vous êtes là pour une pizza? Non, je cherche juste un peu d'aide. Bonne chance. Ah ouais, non, tu m'as fait flipper. Tu m'as trop fait flipper. Bon, moi, je prends un Dr. Fizz. Avec ma pizza, du coup. Ah oui, au sol, carrément. Hop, je l'ouvre. Je bois. Et hop. Et hop. Dans ta gueule. Allez. Putain, je me disais, pourquoi il y a un mec géant là? Mais en fait, c'est la télé. Long reniflement, ok. Il va venir nous parler. Ça sent trop bon ici. Long reniflement. Bon. Ah. J'ai un message. De Nora. Il va pas nous parler? Ok. Alors, Nora. Ah non, c'est un groupe. Les amis de Eva. Non, je sais pas. Mais bref. On va tout lire. OMG, est-ce que vous avez entendu parler de Taylor et Baxter? Laisse-moi deviner, Baxter l'a mis enceinte et maintenant ils sont en train d'organiser une baby shower dans le thème Star Wars. Je vois déjà venir une invitation d'anniversaire qui dit la force est puissante avec celui-là. Est-ce qu'ils se sont mariés? Dites-moi qu'ils ne sont pas mariés, j'ai pas reçu une invitation. Mike, t'es le plus gros geek que je puisse connaître. Autre que Baxter, il aurait totalement fait pareil. C'est trop mignon. Je suis trop content pour eux, ils me redonnent foi en l'amour. Mais donc ils se sont mariés du coup. Mais grave, j'ai toujours pensé qu'ils allaient trouver ensemble. Je me souviens de Taylor qui me racontait comment ils s'étaient rencontrés à la fac dans un concert en hommage aux Beatles. C'est cute de ouf, tellement couple goal. Nos potes de la fac sont tous partis s'occuper de leur vie perso à se marier et moi je suis encore là à me casser le cul à designer des trucs pour une boîte dont je n'ai rien à foutre. Oula! Ah mais c'est Nora qui écrit, ok, je croyais que c'était...
C'était le mec en face là, Mike. Sérieusement, bah, je pensais qu'il me faisait passer un message, c'est pour ça. Sérieusement, je te comprends meuf. Je pense, je vais investir dans un lit au taf. Parce que j'ai l'impression que je passe ma... Putain, il manque tellement des fins de phrases, c'est terrible. Ma vie là-bas quoi. On est juste devenus des zombies à ce point. Exact. La vie en ville me manque, ma vie sociale est officiellement morte. Syracuse, c'est plus... Et j'ai plus la faim. J'arrive pas à croire... Bon, on va avancer un petit peu. Mesdames, donc là c'est Mike qui nous propose les vacances. J'ai une proposition, pas le même type que Baxter a fait pour Taylor, mais une proposition quand même. Qu'est-ce que vous en dites d'aller louer une maison en hiver? Quelque part dans le Vermont peut-être. On pourrait s'amuser, se détendre. J'aime pas quand il emploie le mot se détendre, ça sonne trop bizarre. Le temps d'un week-end, je suis 100%, on n'a pas la suite. Ce serait comme le beau temps, le bon vieux temps à la fac. On pourrait regarder des films, manger n'importe quoi, tout ce qu'on veut, peut-être même se défoncer. Je suis sûr que mes anciens contacts pourraient venir. Ça m'a l'air d'être une bonne idée tout ça, notre petit échappatoire cosy pour un week-end, j'aime déjà. Une escapade, je sais pas Mike, on dirait que c'est compliqué à organiser. En plus je suis débordé en ce moment, mon boss vient de me confier 2 nouveaux clients cette semaine. Pense-y Harpy, un week-end loin du stress, sans travail, sans deadline. Ça serait comme une girl trip, mais avec Mike, lol. Il y a trop de drapeaux rouges qui se lèvent depuis le début du jeu, c'est fou. Hein. Après, c'est peut-être moi qui suis parano. Hein. Tu le dis comme si c'était un mauvais truc. Je sais pas, les gars, je vais réfléchir, je vous dirai. Bisous. Honnêtement, plus j'y réfléchis, plus cette idée me plaît. C'est ça l'esprit qu'on veut, Harpy. On le fait, ce truc. Bon, allez, je suis partant. Mais je vous préviens, il y aura intérêt à y avoir du... fromage, je sais pas. T'inquiète, c'est promis. Je ramène de quoi faire des pizzas, pas le genre de pizza industrielle surgelée que Mickey pense, et ça sera. Harp, tu veux pas t'occuper de réserver la maison? Tu as toujours eu un don pour dénicher les meilleurs endroits. J'ai trop hâte. Alors, il y a un vocal, on va écouter. Here's the thing, guys. I'm on a tight budget. Like, I'm eating ramen noodles for every meal. Kind of tight. Not to mention... Ok, en gros, c'est le moment où elle est en train de nous dire qu'elle est, elle est un peu ric-rac, elle a pas beaucoup de budget, donc il lui dit on va prendre un truc raisonnable. C'est marrant, j'ai pas de sous-titres. Et là, c'est le moment où on va rigoler. On est en route, Nora, dis-nous quand tu y seras, ok? Bon, évidemment, c'est un vocal où elle va nous dire qu'elle ne peut plus venir, j'imagine. Oh. Voilà, ça en dit long ce qu'on vient d'entendre. Oh, you guys are going to hate me. Voilà, oh les gars, vous allez me détester. I swear, I'll get on the road as soon as I can. But something last minute popped up. Il y a un truc à la dernière minute. I'm not gonna bore you with all of the details. The long and short of it is, one of my clients needs a last minute change. Their payments are about the only thing keeping the lights on. I hate to leave so late, but I gotta keep them happy. I'll have this logo done before you know it and be on my way. Non, j'ai rien compris. C'est terrible. Mais putain, si seulement je pouvais prendre des cours d'anglais en stream. Bon, en gros, elle dit qu'elle est pas là, j'imagine. Je suis tellement désolé les gars, Nora fais attention s'il te plaît, j'aime qu'on puisse pas être en route tous ensemble. Conduis lentement. Ah, en gros elle est en retard. C'est pas qu'elle sera pas là, c'est qu'elle sera en retard. Ça devrait aller, je m'assurerai que Harp reste réveillé jusqu'à ce que tu viennes. En gros elle aura du retard, elle avait un petit truc à régler avant de partir, en gros si j'ai bien compris. T'as écouté le vocal de Nora dans le groupe? Putain mais j'étais en face de toi, qu'est-ce qu'il fait le monsieur tout seul là? T'aurais pu le faire écouter à voix. Ouais, je viens de voir. On dirait qu'elle sera en retard, c'est chiant. J'imagine qu'on va devoir commencer à s'amuser sans elle. Très bizarre. Oh, la télé, c'est chelou ce qu'on voit. Très bizarre ta phrase là que tu viens de dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fais pas genre de pas savoir de quoi je parle. Non, t'es chiant. Non, mais là, t'es chiant. Non, mais là, t'es chiant. Comment numéro 27, c'est pour vous les jeunes? Non, mais là, tu fais des sous-entendus, mec. C'est... T'es trop bizarre. Ah, d'accord, ok. Ok, tout est prêt les jeunes. Oui, je sais, merci. merci, je l'avais dans ma main déjà la pizza. Oh là, j'ai tellement faim. Mmh. Ah mais il y en a une champignon alors. Je vais commencer par celle-là, elle a l'air trop bonne. Elle a l'air tellement bonne, c'est la meilleure. Purée, elle tabasse cette pizza. Je peux pas croire que Nora rate cette pizza de fou, j'avoue. J'aime bien le principe d'acheter que des parts en fait. Comme ça tu peux te prendre plein de pizzas différentes avec des goûts différents. J'aime beaucoup l'idée. Je vois nulle part. Je connais pas d'endroit où on fait ça en France. Enfin, en France, je connais pas toute la France, t'as compris ce que je veux dire, mais. Moi, je connais que des pizzerias où tu peux acheter qu'une pizza, quoi. Mais plein de petites parts différentes, c'est trop bien, je pense. Ouais, je comprends pourquoi ils ont proposé de couper le bruit de la bouffe, en fait.
Ça reste pas trop fort pour vous, le son, encore une fois. Salut mes amis. Non, tu n'auras rien de nous si tu viens en disant salut mes amis. Tu pars déjà perdant, tu pars déjà chelou. Tu nous mets en garde en disant mes amis alors qu'on ne te connaît pas, c'est bizarre. Ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Je vous ai vu conduire cette jolie vieille camionnette. C'est ça. Je veux pas vous déranger ou quoi que ce soit, mais je suis en direction du même chemin. On dirait bien qu'on allait vraiment dans la même direction. Ça vous ennuierait de m'emporter avec vous? Bah, elle est où votre voiture? Qui a besoin d'une voiture quand il y a des chouettes amis comme vous avec qui passer le temps? T'es terrifiant. Tu es terrifiant. Je ne te connais pas, je ne te permets pas de dire des choses aussi familières. Vous saurez même pas que je suis là, sage comme une image et encore plus gentil. Non. Alors, non, je lis même pas ce que tu vas me dire, c'est non. Non, c'est une blague. Vous avez vu toute cette neige, je voulais que je marche dans... Écoute, j'ai dit non. Vous êtes pas du genre sympa. Je sors. Je suis désolé. Mais je peux être quelqu'un de très méchant des fois, mais dans la vie, des fois, je me pose pas de questions, je prends pas de risques. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il était très gentil, peut-être que vous me trouvez méchant, mais je joue roleplay pur et dur. C'était chelou. Il a même pas commandé quoi que ce soit. Je me sens mal pour elle. Pas du tout. Je mange ma pizza au calme. Je mange ma meilleure croûte. Crunch, crunch, crunch. Pourri Harpe, tu manges vraiment la croûte? Bah oui. Bah c'est du gâchis bien sûr. Et puis j'ai trop faim. J'imagine, mais tu mangerais pas la peau d'une orange si? Bah ta gueule, enfin je... T'es bizarre, arrête. Ferme-la, je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est ton problème à la fin? Oh, enfin. Moi je vais manger le carton de la pizza, ça va être vite réglé cette histoire là. Ah, je vais rôter, tiens. Allez, je le mets bien mal à l'aise. Allez, je suis plein de rôts. Ah, je te dégoûte, hein. Ah, je suis moins séduisante d'un coup, n'est-ce pas? Bah c'est le but. J'ai pas envie que tu me dragues. J'ai un message de machin. Misère, c'était trop bon. Bah, titre. Bon, t'es prête à prendre la route? On peut peut-être affronter la pire partie de la neige. Donne-moi les clés. Harp, le temps est merdique. Pourquoi tu conduis pas une partie du trajet? Bah, c'est exactement ce que j'ai sous-entendu en disant donne-moi les clés. Je vais conduire pour que tu puisses faire une pause. J'ai peur de quel genre de pause tu vas me donner. Donne-moi les clés qu'on y aille. Bien, mais à une condition. Quoi? J'ai la priorité sur le choix des chambres quand ou si on arrive. Trop chelou. Peu importe. Je prends les clés. Conduis lentement et ça devrait aller. Voilà. XD, ok. Faites gaffe sur la route. Ouais, je vais reprendre le volant. Tu vas quoi? Je vais faire. Pourquoi? Pourquoi il réagit comme ça? Merci. Ah, mais je t'avais pas vu, toi. Ah bah oui, mais on peut pas avoir de... Allez, on y va. On peut pas avoir de recommandations parce qu'on a déjà bouffé. Bien que on pourrait s'en reprendre pour la route, tu me diras. Bon, je suis déjà plus rassuré de savoir que c'est moi qui conduis. Allô? D'accord, ok. Bah, j'ai eu peur parce que le bruit du moteur qui se lance, il s'est coupé assez nettement. Good evening, Vermont. This is your host, oh putain, ouh la catastrophe. Oh putain, mais c'est une galère pour conduire. Ah non, en fait ça devrait aller. Oh oh. Ouais bon ça va, c'est bon, il y a de la neige. Il y a personne derrière. Non parce que la blague, c'est qu'il y a l'autre là dans la voiture. L'autre gars chelou là, il est derrière, c'est certain. J'aurais dû regarder. Oh putain, il y a la voiture. Ah! Mais non, putain, mais ils exagèrent. Oh putain, mais ils sont toujours dans l'excès, tout ça. Ça, c'est pour faire fuir la neige. Non, en gros, c'est pour alerter les gens en face que j'arrive. Si jamais ils m'entendent pas, ils me voient pas. Allez, la radio, tu m'as saoulé. Tu veux pas parler un peu? Oh oh, oh oh, oh oh, mais c'est hyper dangereux ce qui se passe. On devrait pas être très loin. Tu te souviens de l'adresse? Je crois que l'adresse était 200. Ouais, bon, on s'en fout. Ah, mais là, on va où là? Woodbury, c'est à droite. Eh ben, on va à droite alors. C'est parti. C'est vraiment la définition de la personne qui peut pas faire deux choses à la fois. Parler et conduire? Ah non, je peux pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon, bah je parle alors.
et je regarde plus la route. Quoi cet endroit là, petit bunker, c'est bizarre non? Putain mais ça glisse, il y a du verglas ou c'est comment là? C'est quoi ça? Putain on est où là? Ah mais on est dans le village. Mais c'est très bien. Je vais essayer de voir si je reconnais la maison. Oh la police. Voilà on est en sécurité là, on se sent à l'aise. Bon pour l'instant je reconnais rien qui ressemble à la maison là. Avancer tout droit. Non, je crois pas que ce soit celle-là. Mais il est censé y avoir des numéros quelque part. Ah non, on n'était pas encore arrivé dans le village peut-être. Woodbury, Vermont. Bah génial. Oh merde. Oh bah ça passe. Ouais, ça passe. Eh, ça serait pas celle-là des fois. Attends, il y a des numéros et tout. Attends. Je vais laisser la voiture passer. C'est quoi l'adresse? Tu m'as dit 241 Woodbury. Bon, 241. Et là, il y a écrit US Mail. Ah, mais 241, c'est là. Eh ben parfait. Mais ta gueule, putain. Allez, je suis garé. J'aurais dû garer la voiture plus proche peut-être. Au cas où il faut s'enfuir. C'était une nuit glaciale. Ouais, j'aurais dû mettre la voiture vraiment pile poil devant l'entrée si jamais il faut fuir. Pourquoi on sort là, Harp? Bah je sais pas, parce que la maison est là, 241. Putain, je peux pas courir. Ah si, pardon, je peux courir, c'est juste que j'appuyais pas sur le bon bouton. Allô? Voilà. Je n'aurais pas pu garer le camion de Mike ici avant de m'enregistrer. La porte était verrouillée, il fallait que je récupère la clé dans le coffre. Bah c'est ça. Je n'aurais pas pu garer le camion de Mike ici. Oh, c'est Mike ça ou pas? Oh putain, c'est Mike ça? Oh, mais c'est une catastrophe le jeu là. Oh mais c'est une catastrophe votre jeu là. Je considère que je suis pas garé au bon endroit, en gros. C'est ça. Mais il y a une place de parking quelque part là. Ou alors la coutume veut qu'on se gare. Merde. Désolé. Me regarde. Harp, t'as eu ton permis dans une pochette surprise. Énorme JPP. J'imagine qu'il veut qu'on se gare là peut-être. Nous y sommes. Mes jambes se sont endormies une seconde. Allez, on y est. Nous y est. Parfait. Ouais, nous y sommes. C'est très bien. C'est très bien. Allez, on sort. C'était marrant. Ah, mais là, je peux récupérer mon petit sac maintenant. Super. C'était une petite maison pittoresque dans un quartier calme. Mon sac vient de nos clips. Maintenir BGS. C'est quoi ça, BGS? Mais c'est quoi BGS? BGS? Allô? Attends. Oh non, j'ai jeté mon sac. Oh putain, mon sac il est à l'intérieur. C'est clic gauche. Oh. Oh, d'accord, ok. Putain, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué en fait? C'est ça. Putain, j'hallucine. Oh putain, mon sac! C'est fou ça quand même. Quel endroit stylé, je savais qu'on pouvait compter sur toi. Ça sent trop bon là-dedans. J'avoue, mais là, faut que j'aille aux chiottes. Ouais, bah prends ton temps. Pendant que je pars, tu peux mettre la bouffe dans le frigo. Ouais. Je vais surtout fermer à clé. On peut pas fermer à clé, ok. Ah bon, mon sac, tu dégages. La bouffe au frigo. Oh, je suis pas bien.
C'est fermé là? Oh putain. Ok, on peut pas fermer. Allez, nickel. Allez, tu me mets ça au frigo. Hop là. Non, ça marche pas comme ça. Il va y avoir un jumpscare dans pas longtemps, je vous le dis. Un jumpscare Mike ou Nora. Comment j'ai fait? Bon. Non, ça va. Un peu, mais pas trop. Désolé pour ça, Harpe. Quoi? Tout va bien? La route était longue et cette pizza m'a bien attaqué le bide. Bah, t'inquiète. Enfin bref, cet endroit a l'air trop bien. Ça a ce charme rustique qu'on voit quasiment plus. C'est cool de quitter la ville un peu. Pas de soucis. Je dois vraiment aller faire pipi, je reviens. Vas-y, je vais déballer nos bagages. Merci. Enfin, touche pas trop à mes affaires à moi, genre. Rien que l'odeur m'indiquait que la pizza avait bien secoué Mike. Oh. Oh non. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui va sortir de derrière le rideau? L'horreur? Putain. Échappe pour écrire à Rick. Bonjour, nous sommes arrivés. Voilà. Le pipi, il est fini. J'aime pas l'admettre, mais je ne m'étais pas... Ah, d'accord. Ah, je m'étais pas lavé les mains. Tu te sens mieux après la conduite? J'avais pas compris. Je suis bon, tu veux qu'on check la maison? Ça... Ah d'accord, tu es derrière la porte, ok. Ça me semble bien, voyons voir ce que cet endroit a à nous proposer. Après toi. Allez. Bon, je me lave les mains vite fait. Là, c'est le vrai Farod qui a joué pour le coup. Ça va toi sinon? Ça va? Bon, bah le petit salon, il est là. Oh, trop mignon ça. Eh, mais c'est le même film qu'il y avait à la pizzeria. Le salon est plus grand que mon appart. Eh ben, c'est cool. Hein. Oh. C'est bizarre ça. C'est quoi ça? Non, c'est juste un bureau. C'est bien, tu peux te pousser, s'il te plaît. Qu'avons-nous là? Oh, une cave. Mais oui. Mais oui, tu fermerais pas derrière toi des fois, hein? Allez. Mais bien sûr, je ne pouvais pas ouvrir la porte. Un sous-sol tout à fait normal. Ouais. Bof. Je dirais moi je dirais bof. Harry? Harry? Ok, il y a un disjoncteur, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Le courant va être coupé. Il faudra venir le rallumer. Ça va être bien. J'ai pas peur. Ne pas accéder aux invités, d'accord. Bon. Quoi? Il écrit quoi? Je me demande ce que ce gars ne veut pas qu'on voit. Attends, mais il y avait un... S'accroupir? C'est vrai qu'il y avait un gameplay comme ça, on pouvait regarder. Tu es très proche de moi. Je te demande d'arrêter. Il y a un étage. Putain, mais elle est immense la baraque, c'est incroyable. Alors. Un débarras, un truc pour ranger, d'accord. Oh, c'est vraiment un... Ok. Dans le dernier jeu d'Anomalie, il n'y avait pas cette photo. C'est bizarre ça. Première chambre. Attends, j'ai un doute là. Je sens la douille. Il y a que deux chambres, c'est ça la blague. Il y a que deux chambres, c'est moi qui ai choisi. Hein. Donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Oh le petit balcon. Alors on se fait plaisir, on se refuse rien là. Arrête. Dommage qu'on reste pas assez longtemps pour faire une lessive. Qui dit ça? Qui pense ça? Aïe.
Attends, mais je vais pouvoir regarder cet endroit. Non, pas sûr. Je l'ai enfermé, hein, bien fait pour lui. Ouais. Ok. Ah, vous êtes là, vous, bonjour. Bah, vous nous avez fait peur, en fait. Ah, oupsie. J'ai pas fait exprès, hein. Bienvenue dans mon humble demeure, hein. Quel joli jeune couple. Non, on est amis. Oupsie, quelle tête en l'air, hein. On s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un ici. Oh, hein. J'étais sorti chercher mon chat plus tôt. Non, c'est le chien, plutôt. Le summum de l'humour, JPP. Et je me souvenais pas que la télé était en panne. Je me disais juste que j'allais faire un stop et essayer de, la refaire marcher, puisque les gars précédents ont laissé une note négative à ce sujet. Vous savez, ils disent de traiter ses invités comme de la famille, et ma famille doit avoir la télé. Putain, cette gueule qu'il a lu, je te jure. En parlant de ça, maintenant que vous êtes là, les jeunes, laissez-moi vous montrer mon doux chez moi. Là maintenant, je ferais un bien mauvais proprio si je ne vous faisais pas faire la visite complète. Bah relou parce qu'on vient de la faire. L'autre était un homme d'âge moyen un peu nerveux. Ça c'est là où je fais caca. Voilà. Voilà. Voilà votre douche. Ce truc vous fera penser que vous vous lavez sous une cascade dans la jungle amazonienne. Oh, et l'évier ne marche pas, malheureusement. Mais pas d'inquiétude, je vais vous réparer ça rapidement. Laissez-moi vous montrer l'autre chambre. D'ailleurs, j'ai laissé mon caca pour vous donner la marche à suivre, que vous sachiez quoi faire et pas quoi faire. Regarde, Harpe, la pièce a une putain de belle vue. Vous trouvez ça sympa, monsieur? Attendez que je vous montre ma bite. Non, il faut vraiment que j'arrête. Par contre, on est en stream, c'est chiant. Hein. Que je vous montre ma terrasse. Donc, par contre, il y a une troisième chambre et ça, c'est intéressant. Suivez-moi, je vous prie. On va dire que c'est mon lit, c'est le plus éloigné de tous, comme ça j'ai ma salle de bain attitrée rien qu'à moi, j'ai au moins trois portes pour me défendre, c'est ma chambre. Attends mais non. Oh putain, mais casse-toi. Ah non mais en fait, non, non, il y a un lit. Vous venez mademoiselle? Oui, voilà, oui. Il y a un lit double et en fait non, il y a juste une chambre, autant pour moi. Bon sang de bois, c'est dingue. Horriblement froid. Content que ça vous plaise les amis, on a dit horriblement froid. C'est un de mes spots préférés, la vue sur la... Cric est somptueuse. C'est aussi un super endroit pour pêcher. Très bien, jeune, rentre avant que j'attrape froid à nouveau. Pour pêcher? Mais qu'est-ce que tu me racontes enfin? Mais il est fou. Mais ce mec est fou. Voilà la pièce de stockage. Si vous avez besoin d'un truc, des outils, des couvertures en plus, qu'importe, tout est là. Et si des fois le courant saute, vous pouvez utiliser la lampe de... Oh, le petit foreshadowing. La lampe torche ici, à ma droite, avec des tempêtes comme ça, on sait jamais. On en aura peut-être pas besoin. Croyez-moi, il vaut mieux toujours savoir où se trouve de la lumière. Très bien les jeunes, allons en bas maintenant. Et du coup, pourquoi il m'a pas présenté la... Pourquoi il m'a pas présenté la chambre avec la télé qui marche pas du coup? Ouf, oula. Ok les jeunes, je vois que vous avez déjà rempli le frigo avec des bonnes choses à manger. Vous voyez la molette tournée vers le haut pour refroidir et vers le bas pour réchauffer. J'ai tendance à la laisser bas en hiver, les factures s'envolent. En parlant d'hiver, je devrais vous monter le chauffe-eau. Mais quel intérêt de... Oui, oui, j'arrive, j'arrive. C'est quoi ça, le beurre paysan? Ah, président! Oh putain, d'accord, j'ai compris. Énorme. Bah, écoutez, on vous suit, hein.
J'avais pas compris, quelqu'un dans le chat qui a dit c'est le beurre qui parle. Attends, je le fais mieux. Oui, qu'est-ce que... quoi? Rien d'inquiétant là-dessous, juste le chauffe-eau et des vieux trucs de stockage. J'ai un assez gros réservoir. Mais si des fois ça s'arrête de marcher, appuyez juste sur le bouton en bas, la lumière pilote va directement s'allumer et ça sera à nouveau opérationnel. D'accord. Oui, bah ça va. C'est bon, je regardais. Eh monsieur, c'est quoi cette pièce là-bas? Vous avez pas besoin de vous soucier de ça. J'utilise ce sous-sol comme stockage. Les locataires en ont pas besoin. Ils ont tout intérêt à rester là-haut. Bon, très bien, j'étais juste curieux. The. I. Oh putain, ça lui a pas plu que je fasse ça. Est-ce que j'ai précisé? Ouais, non, oublié, je devrais garder ça pour moi. Le gars à qui j'ai acheté cette maison, il m'a dit que sa mère était morte ici. Certains invités m'ont dit avoir entendu des voix la nuit. Ils disaient qu'ils entendaient un truc traîner les pieds là-dessous. Je veux pas vous effrayer, mais si j'étais vous, j'irais pas m'aventurer là-dessous. Oh non. Embrasse-moi. C'est quoi ce plan de fou? D'accord. Les regards sur vos visages. Allez quoi, je plaisante juste. C'est marrant que le dialogue s'est lancé pile poil au moment où j'ai allumé la lampe torche. Ok les jeunes, la neige commence à bien s'amasser. Je vais reprendre la route. Faut que je retrouve ce fichu chat. Merci de nous avoir fait la visite. D'ailleurs, rappelez-moi le nom associé à la réservation, je me fais vieux. Je m'appelle Sydney. Ah, Sydney, c'est ça. Un joli nom pour une jolie fille. Hein? Sinon, toi. Ça... ah, merde. C'est juste moi ou ce mec était super bizarre, aussi chelou que toi? Enfin, bref, allons voir s'il y a des trucs sympas à la télé. Je vais aller prendre une douche vite fait. Moi, je t'aurais dit, prends aucune douche de tout le week-end. Cool, je vais trouver un truc à mater pendant que t'es là-dessous. Vous me direz si vous avez l'impression d'être sous une cascade. Vraiment chelou, celui-là. Ouais. Je sais pas lequel est le plus chelou. Ah, mais c'est la télé. Putain. J'ai cru que c'était les... Mike regardait la télé. Non, non. Mike regardait un fond bleu. Tu vas pas prendre ta douche? Ok. Obligation d'avancer dans le scénario. Il va se passer un truc. En... c'est sûr, à la douche, t'es tout nu, t'es vulnérable, il va se passer un truc là-bas. Mais on n'a pas trop visité cette chambre. Arrête. Tais-toi. Tu fais peur. T'as un bruit qui fait peur. Bon, alors, les cascades, elles sont où déjà? Alors, déjà. Voilà. Ensuite. Voilà, ensuite. Putain, on peut pas fermer. Rend ouf, ça. La porte douche était ouverte. Oh. Ouais, mais c'est une douche à l'italienne, con. Comme ça, c'est une douche. Une douche. Ah, je commence à avoir un creux. Franchement, le coup des pizzas, ça m'a buté le ventre. J'ai trop faim. Je me tâte à aller me chercher un petit... Allez, on se redouche. Je me tâte à aller me chercher un petit gâteau, là, ou un truc comme ça. Je me douche avec la lampe, ouais. J'éclaire l'eau, pour être sûr. Bon, je suis habillé. Il y a quelqu'un derrière la porte. Non, ok. Il y a quelqu'un derrière la porte. Non, ok. Bon, ça va. Bon, j'espère que je suis habillé, que je suis pas à poil, hein. Sinon, ça va être chelou, hein. L'ambiance va être bizarre avec le collègue. Putain, mais vas-y, j'ai peur de tout. Ça rend fou, là. Qu'est-ce que tu fous? Ah, mais tu vas pêcher? J'ai trouvé cette canne à pêche dans la remise. Ça te dit d'attraper notre dîner? Maintenant que tu le dis, ça sera un ajout grave cool au voyage. Je sais pas, il fait froid dehors. Allez, Harpe, qu'est-ce qui rendrait ce voyage plus épique qu'en attrapant nous-mêmes notre dîner? Ça pourrait être sympa, je présume. Let's go! Suis-moi, il y a une autre canne dans la remise, donc on peut s'y mettre à deux. Bon, d'accord. Non, mais je crois qu'en fait, on va pas pêcher dans le jardin, en fait. On va aller pêcher ailleurs. Dans la remise. Elle est là-bas. Eh putain, elle est grande cette map en vrai.
Tu veux attraper l'autre canne à pêche, Harpe? Ouais, une seconde. Oh, la musique est douce, ça devrait aller. Mais pardon, mais elle est où? Ah, ok. Oh purée, j'ai vu une recette de fou pour de la carpe au four. Arrêtez là, j'ai trop faim, je vous dis. Par contre, il faudra attraper 3 carpes. T'es partante? Oui. Bon, commençons par le commencement. Il faut le bon appât pour les carpes. Regarde le tableau d'infos sur les appâts. Quand tu es prête, prends un appât de carpe et allons vers la crique. On va choper de la carpe. Il a bougé tout seul, machin. Mago. Comment ça s'appelle carpe en anglais? C'est... Voilà, carpe commune, c'est ça. Donc il faut des golden lures. Ok, j'ai mis mon bait. Ok, j'ai mis mon petit bait là, en haut à droite, on le voit. Oui, bah, ça va, j'arrive. C'est bon. Je m'as saoulé. Je crois pas que ce soit prévu que j'ai la lampe avec moi. Je suis en train de me dire. Ah, je commence à avoir vraiment trop faim. Je sais pas si je peux tenir jusqu'à la fin du jeu. Oh putain, mais d'accord. Ah oui, pas mal. Ouais, je disais, je sais pas si je peux tenir jusqu'à la fin du jeu ou si je vais me chercher un petit truc à bouffer maintenant. Mais je crois qu'on doit être même pas encore à la moitié à mon avis. J'espère que ces carpes vont mordre aujourd'hui. Quelqu'un veut me dire si on est vers la moitié ou pas? Je pense pas. Perso, je pense pas. Alors, je vais vraiment pêcher au même endroit précis que lui. Bon, j'attends que le... Toucher. De quoi toucher? Oh, j'ai rien eu, je suis trop nul. Il fallait que j'attache un appât. Hein? Hein? Bah oui. Bah nickel, ils sont où? Harpe, n'oublie pas, il nous faut 3 cartes pour la recette. Oui, bah alors, ah mais je dois me lever peut-être, je dois retourner là-bas. On n'a pas pris d'appât avec nous. Putain, je dois faire l'aller-retour à chaque fois, mais c'est une catastrophe. On verra quelqu'un au balcon à un moment donné, je pense. On va le prendre avec moi, ça, vous dites. Il écrit pour maintenir. Bon. Attends. C'est quoi, la lampe, j'ai envie de chercher plus tard. Ouais, mais d'accord, ok. Ouais, j'ai un vrai souci, la lampe, j'étais pas censé l'avoir avec moi, je crois. Hein. C'est ça le souci, c'était la lampe. Très bien. Je vais me chercher à manger. J'ai vraiment un creux énorme là depuis. Enfin, pizza, carpe, tout ça, ça me donne trop faim. Chercher à manger, je reviens. La route fut relancée. Ouais, ok. Alors, je dois attendre que mon appât soit sous l'eau, j'imagine, pour ramener. Pour toucher. LNB, c'est le clic gauche, je crois. LMB, c'est quelle touche LMB exactement? C'est clic gauche. Pour toucher. Je comprends pas. Non, vraiment, je comprends pas. Je sens que je vais être bloqué dans le jeu là, ça va être marrant. Et ben vas-y, il va tous les avoir, lui, les poissons, hein, à force. Hein. Ah! Là, il y a du glou. Oh! J'ai rien compris. Un blue gill, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Keep, throwback. C'est pas ça qu'on veut. On le throwback ou on le keep? Je sais pas. Je lui prise Harpe, mais contentons-nous d'attraper des carpes uniquement. Ah, donc c'était pas ça. Ok. J'ai capté. Des os. Fori. Scoozy. Soumis la scène. Alors dès qu'il y a le bruit, je... Oh merde.
Ah mais il y a un truc à faire avec les et tout, j'ai l'impression. T'inquiète pas, harpe et poissons sont juste difficiles à attraper aujourd'hui. Ça me rappelle que les clintiens. Moi je suis difficile à attraper. T'es chelou mec. Et toi? Ok, j'ai compris. C'est pas ça. Et... c'est un super poisson, mais il était... ah oui, c'est gros, pardon. Mais il est chiant ton jeu, là. Trop relou, la pêche. Mais franchement, la pêche, c'est toujours nul dans tous les jeux, j'ai l'impression. Ah, mais ça y est. Ils disent que s'il y a une carpe, il y en a toujours plus. D'accord, et toi t'en as pêché aucune pour l'instant ou c'est comment? Il y a quelqu'un à gauche. Oh non, c'est le gars chelou là. De la pizzeria. Allez, ça en fait deux. Putain, j'en sors bien. Ah, plus qu'une à attraper, tu peux le faire. Bah t'inquiète pas. Je pêchais toujours au même endroit moi. Mais il y avait le mec chelou là-bas, j'ai peur. Hein. Désolé pour le bruit de bouche, mais il est trop fort. Mais non! Où est ma carpe, hein? Mon petit carpe. Allez, on les a les trois. On dirait qu'on a les trois carpes. Tu veux qu'on rentre et qu'on balance tout au four? Ah oui, c'est parti. Carrément. Là, c'est bon. Bon, pensez que le gars chelou il est dans la maison ou pas? Désolé. Vraiment, j'aurais pu manger de la purée, tu vois. Ça aurait pas fait de bruit. Mais là, vraiment, j'ai choisi le truc qui fait le plus de bruit. J'aurais pu prendre des chips aussi, là. Ça en est pas mal, hein. Pendant que je nettoie les poissons, ça t'ennuie de préparer la marinade. Oh là là, ça donne tellement envie. Comment on fait? Tu prends un bol, tu mets de la pâte de gingembre, de l'huile, de cuisson, du poivre noir, du sel, des assaisonnements italiens, du paprika et du yogourt. J'ai tout oublié. Bon. Et vous avez quoi? Bon, je vais la poser là, ma petite lampe. Pourquoi le frigo est entre-ouvert? Bizarre, non? Alors. Le sel. Alors, déjà... c'est quoi? Tout ce qui est attrapable, je considère que c'est un truc qu'il faut mettre là-bas. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Bouge plus d'un poil, le poisson va sortir. Bizarre. Ça n'allait pas là. Merde. Pourquoi j'ai pris une assiette, moi? Pour mettre la table? Merde. Et Nora, dans tout ça, elle est où? Allez. D'avoir des trucs dans les placards. Ou pas d'ailleurs. Des œufs? Il veut des œufs? Ça n'allait pas là. On peut pas ranger les œufs. Merde. Tant pis. Bon alors, je vais lire ce qu'il me dit. Il veut...
Putain, ah mais le sel est là, regarde. Il va ensuite du poivre noir, il est là. Du paprika, de l'huile d'olive. L'huile d'olive, je l'ai... Elle est là. Du yogourt. C'est ça le yogourt? Ouais. Du paprika. Il est là. Oh, je vais tellement prendre un autre gâteau, je suis désolé. Trop bon. Ça me regarde. Je peux envoyer le poisson et la marinade dans la casserole pendant que je coupe les légumes. Et si, si. La casserole. Mais là, c'est où la casserole? De poisson. Ah d'accord, ok. Il y avait un ordre, vous comprenez. Tu peux ajouter les légumes maintenant? Oui. J'ai lu que ça doit cuire pendant 30 minutes à 200 degrés. Ouais, t'as lu? Bah, j'espère que tu te rappelles bien quand même. Bon, on va dire que tout a été... Ces cartes vont avoir un goût de dingue, mais ça je veux bien te croire. Pendant que ça cuit, ça te dit des jeux de société? J'en ai vu dans la pièce d'à côté. Lequel? Prends juste ce qui t'attire. J'ai vu qu'il y avait un Ouija, je crois. J'ai hâte de voir ce que tu prends. J'en ai vu dans la pièce d'à côté du salon. Ok, je vais voir. Là-bas, je crois. Je suis pas serein. Le Ouija. On va prendre ça tous les jours, on va prendre ça. J'avais les mains prises. J'aurais pu en prendre un autre. Mais ouais, j'aurais pu en prendre un autre. Genre le Monopoly, le Catopoly. Non, je prends le Ouija, faut se faire peur. Waouh, c'est une planche de Ouija. Un jour, Oli m'a dit qu'elle avait contacté sa grand-mère décédée à travers une de ses planches. Je supporte pas ces conneries spirituelles. Eh, tu te souviens comment Rick était chelou à propos du sous-sol? Et si on essayait ça là-dedans? Allez, c'est parti. Ouais, la pire des idées, quoi. Vraiment... T'es quoi? Je vais laisser les portes ouvertes. Juste histoire de... Non, mais non, j'ai pas la trouille. C'est juste histoire de... De bien flipper quand on va remonter, tu vois. Voilà. Comme ça, si vraiment quelqu'un veut rentrer dans la maison... Voilà, bah... dit-il, t'as la trouille. Hein, dit-il. Et tu sais quoi, je ferme vraiment la porte juste là, comme ça on sera bien niqué, on sera obligé de l'ouvrir après. Fais gaffe aux araignées là-dedans. Ouais, allez, je mangeais un gâteau pour me donner du courage, hein. Hein, ok. Allez, hein. Maman. Mais bon, enfin, il est où? Oh, vas-y. Qu'est-ce que ça fait du bien de manger, putain, oh là là. Il me regarde comme un gamin. Et c'est bon, je peux jouer, fille. Je peux faire caca. Tu sais ce qui rendrait ça encore plus flippant? Non, dis-moi. On éteint les lumières et on voit si ce truc marche vraiment. Ah ben, je crois que j'ai pas le choix. Tu l'éteins comme ça, là, directement? Il est très bizarre, hein. Enfin il a pas peur le gars. Bon, tu sais comment ça fonctionne Harper? Non. Bon, voilà comment ça marche. D'abord, on place nos doigts doucement sur la goutte. Il faut poser des questions et les esprits, s'il y en a, vont bouger la goutte pour épeler la réponse. En tout cas, c'est ce que m'a dit Molly. Une dernière chose, Harp. Ne retire jamais tes doigts de la goutte. Tant qu'on n'a pas dit au revoir, sinon on risque de vexer les esprits, elle m'a dit. Très bien, tu commences. Y a-t-il des esprits ici présents qui souhaitent nous parler? Veux-tu que nous partions? Peux-tu nous voir? Bah, je vais commencer par celle-là. Attends, mais j'ai mon doigt dessus là. Ah, mais je bouge avec ma souris. Bon, on est d'accord que le Ouija, c'est vraiment en mode. Tu fais dire à la planche que tu veux, là je l'amène sur le yes, tu vois. C'est pas possible, c'est toi qui le bouge.
Non, non, c'était pas moi. Ok, j'en ai un aussi, vas-y. Chef. Eh, hey, chef, comment ça se passe la vie après la mort? C'est pas très respectueux. Alors, si je tourne ma souris au hasard en faisant des ronds, est-ce que ça va m'amener quelque part? Est-ce que c'est scripté ou est-ce que c'est vraiment à moi de l'amener quelque part? Ça n'a amené nulle part, je crois. Vivais-tu dans cette... Es-tu amical? Bon, j'aurais tendance à l'amener sur le nom, tu vois. Mais je vais juste faire des petits cercles et on va voir si ça m'amène quelque part. Et s'il se passe rien, c'est que c'est à moi d'amener les vraies réponses et de voir la réaction. Ouais, c'est ça, y a pas de réponse. Hey mon gars, donne-nous un signe, montre-nous que t'es là. Si je bouge pas, il bouge tout seul, je crois. Ouais, c'est ça. Wow! Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il m'a... Ce serait mentir que de dire que je me sentais pas mal à l'aise pour lui. Il y a eu un bruit, il a eu peur. Il a rouvert la porte et tout. Ça va, mec? Il se passe des dingueries là-dessous, Warp. Ah non! T'es chelou. Tu veux dire que c'est chelou que tu m'as abandonné? C'est quoi ce bordel? Je pense trop que vous pouvez vous en foutre. Désolé. Ça aurait été sympa que tu vérifies. T'as déjà entendu parler de combattre ou s'enfuir? Sinon, je suis désolé, d'accord? Ouais, peu importe. Oh la bouffe, con! La bouffe, la bouffe, la bouffe, je suis trop faim, trop faim, trop faim. Faim. Trop bon. L'autre, quand elle va arriver, elle aura son plat, elle aussi, elle va être trop contente. Hein. Je crois que notre émission va commencer. Ça te dit de regarder la télé pendant qu'on mange? Allez. Avec des légumes et tout là, oh mon dieu, ça va être trop bon. Après c'est chiant le poisson avec les arêtes, mais... Comment on va se régaler? Tu veux aller... Ah oui, pardon. Bien sûr, bien sûr. Asparagus chocolate cake with a spoonful of mayonnaise. This delicacy is very popular in Romania, where mayonnaise flows down the rivers like a mayonnaise water park. So first, we are going to prepare the asparagus. Season these with a lot of salt. Wow. Salt is good for the bones. C'est là où il chope ses recettes de cuisine, le gars. After letting simmer in the salt bath, we can start making the chocolate. Take a couple cocoa beans. Yes, asperges, cocoa beans, chocolat et mayonnaise après. Into the sauce with a little bit of vinegar. Gotta keep that fancy flavor in there. The next thing we prepare is the mayonnaise. We stir fry this in a pan with Irish tofu. I'm not gonna lie. This is gonna taste like shit. But here you are anyway, listening to my cooking instructions. This is the brain of the mayonnaise. We gotta inject it with a little anesthesia to make sure it doesn't revolt against us. It gets very angry. J'ai peur du moment où on va voir quelqu'un qui va courir par la gauche. After doing that, we mix all the ingredients together in a tray. J'avais fini. Place it inside the oven. Art, t'es vraiment trop bon. Avoir attrapé les poissons nous-mêmes, ça l'a rendu deux fois meilleur. C'était vraiment bon, ouais. On fait une super équipe, calme-toi. D'ailleurs, je dois consulter mes emails vite fait, j'ai laissé mon PC portable à l'étage. Je pensais qu'on prenait une pause du taf. C'est pas du taf, j'attends juste les infos d'expédition de ma nouvelle DS. Je reviens. Ok, je vais nettoyer. Ouais, je peux pas... pas être à l'aise avec un tel boucan. Bon, est-ce qu'on se ferait pas attaquer pendant qu'on fait la vaisselle? Non, mieux. On a une visibilité sur une fenêtre. On va avoir du mouvement, je vous dis. Je devais faire nos deux assiettes. Quoi? Il a laissé là-bas? Ah oui.
Non, mais on va laisser ouvrir une porte, c'est bien. C'est pas mal. Comme ça, ça fait courant d'air, ça fait du bien. Ça rafraîchit. Oh, j'ai peur! J'ai peur! J'ai un gâteau dans la bouche, je veux pas m'étouffer. Mettez pas de jumpscare, s'il vous plaît. À l'aide! Maman! Et ça, je le lave ou pas? Non? J'en fous? Ah non, j'en fous. Je crois qu'il y a quelqu'un sous mon lit. Là, maintenant. Tu peux monter? C'est marrant. C'est marrant. Bon, bah, on va crever parce qu'il va nous faire peur, ce gros con, là. Surtout que je sais pas où est sa chambre. Marche lentement. Mais c'est à quelle ta chambre, Kounon? Kounon. Couillon et Kono. Ça va être horrible. Je savais que ça allait être horrible et putain, j'ai pas réussi à l'anticiper, c'est fou. Je savais que ça allait arriver, mais j'ai quand même réussi à avoir peur. C'est fou de savoir que ça va arriver là maintenant et ça nique le hérisson. Je mange, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me rassurer. C'est pas bien. Mais t'as complètement vrillé en fait. Je t'ai eu complet. C'est drôle? Non. Allez quoi, c'est juste une blague? Non. Tu veux qu'on prenne une revanche? Une revanche? Ça te dit un cache-cache? Elle est où la réponse non? Vas-y, je vais te faire payer. Comme tu préfères, Sydney. Très bien, c'est ton tour de te cacher, je compte jusqu'à 10. Je vais me cacher là où il a peur, dans le chouchol. 1. Bah, tu vois. Le jeu après shot que je voulais faire. Allons nous cacher à la cave. J'ai décidé de me cacher dans le recoin sous l'escalier. J'ai quand même laissé allumer. Pas qu'il a besoin que ce soit éteint, mais juste moi je dois voir si je dois voir un truc quoi. Ah! Allô, allô! Oh merde! Oh, il détecte pas mon micro le jeu. Alors que dans les épisodes précédents, il détectait mon micro. Mais comment ça se fait? J'ai exactement le même setup que la dernière fois. Ah, je devrais peut-être garder la lampe torche avec moi, vous avez raison. J'ai laissé au sol de la cuisine. Il va pas ouvrir la porte là, sur moi. Allez quoi? Me veux que bien. Imagine, il cherche un outil pour ouvrir ce grand malade. Tiens, heureusement qu'on peut regarder à travers. J'ose pas trop regarder à gauche parce que j'ai peur qu'il ouvre d'un coup et que ça me fasse peur. Ah, trouvé! Ça. C'était même pas un peu dur, je pensais que tu serais doué vu que je te trouve jamais en ville. What the fuck, mec, mais t'es trop bizarre à dire ça! T'es trop chelou! Ok, à mon tour, me cacher maintenant. T'as intérêt à fermer tes yeux et compter. Et commencer à compter. J'ai juste récupéré ma lampe torche. Mike était planqué. Ah merde! Mais lampe... Ah non. Bon bah je... Allez. J'ai peur. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prêt ou pas prêt? J'arrive. Ouais, je suis pas serein. Parce qu'il va nous faire peur cet enculé. Je suis vraiment pas serein du tout. Hein. Parce qu'on va trouver. En fait, en le cherchant, on va le trouver. Mais en fait, c'est pas lui qu'on va trouver.
On va trouver quelqu'un d'autre. On va trouver un autre gars. Non mais la musique là, arrête. Je vérifie si on peut pas ouvrir les meubles. Ça va à vous, moi non. Vous avez peur, non? Moi oui. Ah oui, l'extérieur, c'est pas... ça donne pas envie de rester, quoi. Et si je prenais la voiture et je me barrais? Qu'est-ce qu'on en pense? Mike? Est-ce que tu es là? Derrière la porte, peut-être? Non, je vois personne. J'ai peur. Ah, je rote, j'ai peur. C'est symptomatique. Ça... Oh non. Oh non, faut que je... Oh putain. Oh. C'est Mike? Ah oui, c'est Mike, ça va. Trouver. Bon, je vous ai un petit peu pré-shot la surprise. Attends, Harp, j'ai cru entendre un truc à l'étage. Dupe-moi une fois, honte à toi, dupe-moi deux fois. Je rigole pas, Sydney, j'ai vraiment entendu un truc glisser là-haut. T'as pas entendu? Non, j'ai pas fait ça. Je jure sur ma vie, j'ai entendu un truc. Je vois la porte du grenier d'ici. Quoi? Quoi? Tu vas aller voir? Elle est où la réponse? Non. Pourquoi tu vas pas toi? Je crois que mes épaules sont trop larges pour passer. Mais l'un de nous doit vraiment les voir. Tu les planques où ces épaules larges? Sérieux Sydney, je crois pas que ça passera. Utilise le marchepied derrière toi et grimpe. Bah non. Ah, j'avais pas fini. Grosse folle. Là j'ai fini. Mais il est où le marchepied? Ah, c'est ça? Non? Ah mais parce que j'ai ça dans la main peut-être. Putain mais je suis con quoi. Non mais... Il est où marche-pied? Ah. D'accord. Ça marche. Bon, attendez, j'ai vraiment peur, du coup je vais couper mon micro 2 secondes. Ouais, je confirme, j'ai très peur. Hein. Ah, je peux redescendre si je veux. Y'avait rien! Tu vas aller voir? Merde. Pas lui faire croire que j'y suis allé, dommage. Oh, c'est le chat qui cherchait le proprio. Ah bah c'est le chat qui faisait du bruit, voilà, y a personne d'autre je crois. Hein. Non, ça on le verrait s'il y avait quelqu'un. Ah petit chat, c'est toi qui nous faisais peur? Ouais. Bon, mais t'es tout seul ici. Mais qu'est-ce qui t'a enfermé là? Comment t'en es arrivé là? Mon petit, c'est pas possible. Bon. Sydney, tout va bien? Il y avait quoi là-haut? On dirait que je suis la seule sans couilles dans la maison. Mais ouais. Ça veut dire quoi ça? C'était juste un chat. Quel soulagement, j'ai eu peur l'espace d'un instant. Je crois qu'elle avait faim. Ah ouais, peut-être qu'on peut lui donner une des carpes après que je vienne te trouver encore une fois. Il est trop con. J'ai décidé de me cacher dans la remise du jardin. Oh putain, la cachette de ouf. Mais la cachette de ouf dans tous les sens du terme. De ouf parce que c'est trop une bonne cachette, il pensera jamais aller là-bas. Mais de ouf en mode dans un jeu d'horreur, c'est catastrophique.
Pourquoi il y a une musique, on dirait que je vais me faire enlever par des ovnis. Oh, je suis pas bien. Oh, ça va être horrible là ce que je vais voir. Oh, il va y avoir une grosse tête à la fenêtre qui va venir, ça va être catastrophique. Il va y avoir un gros bruit strident là. Oh, j'aime pas. Je suis pas fan. Eh, il est déjà là, putain. Oh, il a pas perdu de temps. Comment il a pensé à venir direct dehors? Bah, il est trop balèze. Et là, il se fait attaquer, il se fait poignarder sous mes yeux. Et là, ça fait très peur là par contre. Attends, j'ai vu un truc dans la maison? J'ai cru voir un truc dans la maison bouger, non? Il n'y avait pas une ombre? Ah, te voilà! Merde, Harp, ça m'a pris un moment pour capter que t'étais sorti de la maison. Pas vraiment en fait, t'as trouvé ça assez rapidement en fait. À mon tour, ferme-moi ces jolis yeux. Arrête de me faire des compliments. Je commence à être fatigué. Écoute, je vais me cacher dans la maison, on va rentrer de toute manière, tu me trouves et on part au lit. Donc j'ai pas mon mot à dire quoi. Bon, j'ai pas le choix. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive. Je suis pas bien parce que moi je suis quasiment sûr d'avoir vu un truc bouger dans la maison. La porte est fermée? Oh. D'accord, il a dû la fermer derrière lui, j'imagine. Mais tout ce que tu veux qu'il s'est caché dans la cave, dans la porte où il fallait pas qu'il se cache. C'est évident qu'il a fait ça. Ah bah non. Ah, la porte est restée ouverte ici? Vraiment? Pourquoi il y a une pelle? Il n'y a pas de pelle avant ici. J'ai tellement trop peur de le chercher, de tomber nez à nez avec un autre gars. Putain, vivement que le jeu soit fini, ça me stresse, ça me tend, putain, je suis pas bien. Oh putain, il y a un putain de bruit de porte là. Je pense pas qu'il soit dans le four ou dans le frigo, à mon avis. Bon, il y aurait pas une porte fermée des fois là. Je me dis, il peut être caché derrière une des portes. Il s'est pas recaché au même endroit? Bah non, je crois pas. Tu crois qu'il s'est caché au grenier? Putain, il ferait trop chier s'il s'est caché au grenier. Il ferait tellement trop chier, mais c'est un mec qui fait trop chier en fait, de base. Ou sur le balcon peut-être. Waouh, la musique arrête. Il est pas suspendu au balcon là pour la blague. Ah. Oh putain, il y a des bruits, j'aime pas. La porte est fermée de la douche. Oh, ça va, j'ai pas eu trop peur en vrai. En vrai, ça va, j'ai pas eu trop peur parce que je me suis vachement éloigné de la porte. Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quoi? Hé, salut! Mais pourquoi vous êtes encore là-dedans? J'ai réparé le robinet, ça pose problème? Ben vous auriez dû nous prévenir. Madame, c'est ma maison. J'ai pas besoin de voir avec eux à chaque fois que je répare quelque chose. J'ai jamais vu quelqu'un réparer un robinet à coup de marteau avant. Vous avez déjà réparé beaucoup de robinets, jeune homme? Je pensais pas... Donc je me suis dit que vous sauriez pas quel outil il vous faudrait. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Je suis arrivé il y a à peine quelques minutes.
Si vous avez entendu un truc, ça devait être cette vieille femme, vous vous souvenez? Le fantôme. Écoutez, il faut qu'on aille dormir là. Vous me demandez de partir, mademoiselle? Non, Rick, elle essaye d'être polie. On a loué cette maison et on voudrait la voir pour nous seuls. On veut pas vraiment... On ne veut vraiment pas en arriver au point d'appeler les forces de l'ordre. Wow. Mike, laisse-moi gérer. Y'a pas de flic à Woodbury, fiston. Ah bon, bah si, on en a croisé sur la route. Tu penses qu'ils vont arrêter le proprio pour avoir réparé le robinet? Je fais juste un peu de travail. Si vous pouvez pas gérer, c'est votre problème, pas le mien. Vous savez quoi? Et si ça vous plaît pas que je répare les robinets les jeunes, bah je vous laisse faire. Mais c'est une dinguerie là ce qui se passe en fait. Vous vous rappelez de Nora? Bah non, on l'a jamais vue en fait. Une heure et demie d'écran noir. Après avoir verrouillé la porte, on a débattu sur ce qu'on allait faire. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il y avait un truc qui cloche chez Rick dès le début. On aurait dit qu'il aimait trouver des excuses pour se pointer sans prévenir. Au final, on a décidé que Rick était bizarre, mais sans doute inoffensif. On a attribué son comportement à un manque extrême de conscience sociale. Écoute, on a déjà fait tout le trajet en voiture, profitons juste, a dit Mike. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment épuisé. J'ai décidé de me reposer un peu. J'ai trop peur parce qu'on va rejouer un jeu au moment où elle ouvre les yeux, quoi. Allez, minuit moins 20. Oh putain, mais voilà, mais c'était sûr que ça allait être ce moment-là. Le moment où on ouvre les yeux. Ah, on est dans cette chambre avec le accès au grenier, nous, mais super. Ça vient de toquer là. Bon, c'est un rêve, c'est un cauchemar. Jumpscare pour justifier le cauchemar. Ah, quoique, j'ai toujours la lampe torche dans les mains. Oh, j'ai trop peur d'ouvrir, j'ouvre. Harp, t'es encore réveillé? Mais t'es chelou. Bien sûr que je suis réveillé, tu toques à ma porte, du con. Dur de dormir quand quelqu'un frappe à la porte. T'as entendu, si je rentre, j'aimerais parler de quelque chose. Non. Attends, je regarde le sol en mode dépit. Quoi? La tempête commence vraiment à s'intensifier, j'arrive à peine à voir la camionnette dans l'allée. Oh merde, j'espère que Nora va bien. Elle ira bien, Sydney, t'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Quoi? Pas de problème, les mecs sont censés protéger les gens qu'ils aiment, non? Depuis le début, depuis la première seconde du jeu avec lui, je l'ai... De quoi tu parles? Quelle journée, hein? C'est pas exactement comme ça que je voyais notre escapade, Sydney. Ça a été étrange. Tu crois ce mec? Il se balade tranquille autour de la maison comme si c'était le maître des lieux. Ouais, j'aimerais bien qu'il nous foute la paix. Je me suis dit que t'aurais peur toute seule. Bah, je dois dire, j'ai un peu la trouille. Pourquoi ne pas venir t'asseoir à côté de moi, Sydney? Tu t'en vas déjà, Sydney? Oui. Bah oui, bien sûr. Je crois qu'on arrive à la fin du jeu, à un moment donné, où il y a... C'est à partir de là, si tu veux mon avis, qu'il y a une... Il y a une double fin. Soit je m'assois avec lui, ça finit mal. Soit j'essaie de fuir. Et à mon avis, ça finit mal aussi. Pourquoi ne pas venir t'asseoir à côté de moi, Sydney? Non. 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 Non, je peux pas. Désolé, je peux pas. Il faisait un froid glacial dehors. Très bien, tu peux partir ou pas? Tu peux pas partir? Alors, je vais laisser ouvert au cas où je dois fuir hein, quand même, hein, je suis pas fou. Ouais, non, peut-être qu'il faut que j'aille là-haut, je sais pas.
Mais j'ai pas envie d'aller m'asseoir à côté de lui, et putain... Mais il va essayer de m'embrasser et tout, ça va être relou... Harp, tu sais, ça m'avait manqué. Juste nous qui parlent, ça faisait trop longtemps. Tu sais, t'as pas besoin de dormir seul ce soir si tu le souhaites pas. Tu ferais ça si Nora était là? Tu fais comme si tu avais oublié notre voyage en Oregon. Je me souviens que c'était bien gênant. Au début, c'était pas gênant en vrai. Mike, on avait beaucoup bu et il s'est passé des choses. En effet, il s'en est passé des choses. Oh putain, il y a un message de Nora. Nora qui dit à l'aide. Oh putain, j'espérais que peut-être elle pourrait se reproduire. Il est complètement fou. Attends, je présume que je ne sais pas quoi te dire. Tu me laisses juste m'inquiéter des détails, Sydney. Mike, je pense pas que ce soit le bon moment. Guys, I think I'm about 70 miles away from Woodbury and my stinking tire just blew out. Les gars, je crois que je suis à l'adresse donnée et je sais pas, elle a dit Child, je crois, elle a dit quoi? It's snowing and I'm on Donc, the neige. Side of the road on Highway 11 near Killington. There's a sign by the side of the road. It's hard to see. I think it says Kent Pond. The snow is like half of a deep and I can't get the lug nuts off the tire. I hate to ask, but can you two come get me? Je déteste demander ça, mais est-ce que vous pouvez... Quoi? Elle veut qu'on aille la chercher? Elle a 7 miles, c'est ça? Quel timing, hein? Mais bon, on peut pas laisser Nora galérer. Non, on peut pas, il vaudrait mieux se préparer. Non, Sydney, tu restes là et tu te reposes. Ça sert à rien qu'on soit deux à se geler le cul dehors. Non, mais moi je reste pas ici, dans cette maison, avec le proprio qui tourne autour. Et j'ai pas le choix. C'est vraiment gentil, Mike, ou t'es sûr? Oui, je suis sûr, t'es en pyjama et je suis encore habillé. Installe-toi, je m'occupe d'aller aider Nora. Oh merde, j'ai pas le choix. J'aime toujours être gentil avec toi, Sydney. Ta gueule. Je me lève, dans tous les cas. On continuera d'en parler demain, ok? Repose-toi bien, reste au chaud. Je vais pas répondre. Mais ça sert à rien qu'on soit deux à se geler le cul. Non mais vraiment, non mais c'est quoi, je vais même y aller en premier moi dans la voiture, regarde. Regarde, je te double et tout, t'as vu? Moi j'y vais, hein. Moi j'y vais, hein. Allez, vas-y, pousse-moi. Fais-moi nos clips, vas-y. Non, tu veux pas. Vas-y, fais-moi, pousse-moi. Non, je vais faire bugger le jeu, il pourra pas y aller. Oh merde. Oh non. J'ai pas fait bugger le jeu, rassure-moi. Pourquoi tu irais pas te reposer pendant que je suis parti? T'es sûr que c'est une bonne idée de conduire tout ce temps? T'inquiète, j'ai connu pire. Et puis Nora a sans doute bien plus peur que toi actuellement. Écoute, assure-toi juste de prendre soin de toi, d'accord? Verrouille bien toutes les portes. Ah! Avant que je parte, ça te dit un câlin? Je veux dire juste au cas où tu dors déjà quand je rentre, je t'avoue que j'en aurais bien besoin là. Pas maintenant, Mike. Fais de beaux rêves, repose-toi bien, Sydney. Comment on ferme? Comment on ferme la clé? Pourquoi je peux pas faire... Je voulais avoir un peu de repos jusqu'à ce que Mike et Nora arrivent. D'accord. Après, il y a que des fenêtres, je crois. Bon, bah, je fais quoi? Je vais dans mon lit. Oh, j'aime pas la situation. Parce que finalement, Mike, je l'aimais pas du tout et je me flippais de lui. Mais je dois avouer que... Bah, je suis moins rassuré quand il est pas là, je crois. Donc j'aime pas trop beaucoup ce qui se passe. Et là, il y avait un mec derrière la porte, imagine. Je me suis dit que les choses s'amélioreront si je me reposais. Nora savait toujours comment me remonter le moral et j'en avais de plus en plus besoin. Avec son arrivée proche, j'ai décidé de me reposer en attendant. Oh putain, ça fait une heure qu'il est parti. Oh non. Attends, mais ça a sonné? Ah mais oui, je l'ai pas rêvé. Il y a quelqu'un qui fait ding-dong là.
Ça va, j'arrive. Réaliser que quelqu'un était dehors aussi tard dans la nuit est effrayant. Vous le reconnaissez? On le reconnaît parfaitement bien. C'est le gars avec son putain de sac. C'est le putain de... Oh non, mais comme par hasard, je suis seul. Bonjour. Écoute mon ami, je sais que c'est pas ouf de frapper à ta porte en plein milieu de la nuit, mais je suis un peu dans la merde là. Je comptais sur des amis pour me laisser monter, mais ils sont en... Pour me laisser monter, mais ils sont en arrière. D'accord, et ils seront pas là pour encore de bonnes heures. Vous n'entrez pas point barre. Bon, pourquoi il y a des voyelles comme ça là? Pourquoi il y a des voyelles qui spawnent comme ça? J'ai fait bugger le jeu. Tu te fous de ma putain de gueule là? Vous allez me laisser geler dehors? Je t'ai pas fait faire de la rando dans une tempête des neiges moi. J'aurais dû me douter que t'étais toujours autant une salope que tout à l'heure au truc de pizza. Bah tu vois, est-ce que j'ai pas bien fait de me méfier? Je vais pas répondre. Tu crois que je vous ai pas vu, toi et ton petit copain, pêcher à la crique plus tôt? Je me suis dit que vous me donneriez une chance cette fois, mais on dirait que t'es toujours pas sympa. Bah dégage ou j'appelle les flics. Y'a pas de flics ici. Parlant de ça, je vois pas la camionnette de ton pote non plus. J'appelle 911. Bien. Faites comme chez vous. J'ai la possibilité d'ouvrir la porte. Hein. Ah non, il s'en va, je crois. Mais laisse-moi te dire un truc. Oh, attends, c'est prévu par le jeu qu'il se retourne et tout. Le jeu, il savait que j'allais regarder par la fenêtre. Tu paieras pour m'avoir laissé dehors. Oh putain. Le karma est une belle salope, mon ami. Il fait pas le tour, hein, rassure-moi. Il va pas faire le tour, ce fou. J'arrivais pas à garder les yeux ouverts, il fallait que je dorme. Ah non, 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 mais là, tu dors pas, hein. Il fait pas le tour, hein. Non, je pense qu'il a dû partir, non. Ouais, non, le jeu me dit qu'il faut que j'aille dormir. Mais ça pue, hein. Ça pue, cette histoire, hein. Et là, il va sortir de sous le lit. Lève-toi! Mais c'est Mike qui a gueulé, là! Les gars... Je suis pas fan, là. Échappe pour écrire à Rick. Il y a quelqu'un qu'on a rencontré sur la route, il cogne à la porte, il a commencé à me menacer, j'ai assez peur, je crois l'entendre se déplacer autour de la maison, pourriez-vous venir voir vu que vous habitez si proche? Oh Eric, allez, ah, viens me réparer le robinet là, Eric, c'est bon là, prends ton gros marteau et sauve-nous, je sais pas. Non mais moi je descends. Oh putain, le pot de fleurs, il m'a fait peur. Non mais moi je descends pas, les gars. Moi je descends pas, hein. Il y a eu un bruit Il y a eu un bruit en mode Putain, je pensais aller au grenier. Tu crois qu'il faut que je me cache ou que je descende? Attends, mais non. Non, parce que je l'avais déjà, moi, le micro de tout à l'heure. Non, qu'est-ce que je disais? Dis-moi que c'est Mike. Ou le... C'est qui, ça? C'est qui? Ouvrez la porte, mademoiselle, c'est moi. Ok, je crois que c'est lui. Oh, putain.
C'est quoi ce bazar ici? Oh, Dieu merci, vous êtes là. Explique la situation. Ouais, je suis venu aussi vite que j'ai pu. C'est quoi ce sourire, hein? À votre place, je ne m'inquiéterai plus à son propos. C'est-à-dire... Je me sens... D'ailleurs, où est votre ami, le gars qui était avec vous plus tôt? Il devrait pas tarder. Donc tu es toute seule ici actuellement, hein? Oui, mais mes amis devraient pas arriver d'ici peu. Est-ce qu'il y a du sang sur son marteau? J'ai besoin de savoir, hein. Je crois pas, hein. Non, je me dis, parce qu'il a dit t'as pas à t'en inquiéter. Je me dis peut-être qu'il va... Il l'a frappé, je sais pas. Ce genre de tempête ramène toutes sortes de gens. Ils savent pas tous quand rester à l'écart. Hein? J'ai un message de Rick. Oh putain, c'est pas lui Rick depuis le début, c'est ça la blague? Oh putain, c'est pas lui Rick depuis le début. C'est n'importe qui en fait. Revenir vous voir, comment ça? Je vis à Burlington. Je n'ai pas été à la location depuis des semaines. Eh oui. Eh ben, je suis foutu là parce que je peux... Je me sentais toujours pas à l'aise d'ouvrir la porte. J'ai bloqué. Ah c'est fait exprès, je peux pas avancer. Mais je crois que je l'ai bloqué lui. Non? Ok. Oh non, je peux pas aller dehors. Oh bah je suis niqué. En fait, je crois que je peux pas lui échapper à ce moment-là du scénario. C'est trop long. La musique n'était pas prévue d'être aussi longue. Il a pas réussi à m'attraper à temps. Mais j'ai quand même tendance à vouloir m'échapper, hein, je vous avoue. Hein. Non? C'est marrant qu'ils me suivent pas à fond. Bon bah... Je me laisse attraper. Non, ou alors je vais me cacher dans l'escalier peut-être. Mais c'est bizarre qu'il marche pas. Il va pas vers moi en fait, je comprends pas trop. Non, je sais pas trop quoi penser. Non, le jeu on dirait qu'il est pas bien. Il est pas bien là. J'ai mis mal le jeu là, je crois. Mais viens, sois pas timide enfin. Mais c'est pas moi qui vais venir te chercher. Bah attends, mais il est pété le jeu, c'est pas possible. Ouais non, je crois qu'il y a un souci. On va se faire attraper pour relancer le jeu. Vas-y, attrape-moi. Tout va bien mademoiselle? Il est bien tard pour envoyer des messages, non? Vous parlez à qui? Tu n'es pas Rick, je me trompe. Qu'est-ce que je viens de dire? Je le confronte. C'est ma putain de maison, je me barre quand je veux. Qu'est-ce que tu veux? Je veux ce qui m'appartient, cette maison et toi. Tu t'introduis chez les gens. Tu dois partir immédiatement. Je crois pas, non. Si quelqu'un quitte cette maison, ça sera l'un d'entre nous. Eh? What? Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Attends mais couteau. Merde. Je vais faire buter. Attends. La gueule de con. Attends, y'a trop de trucs à la seconde là. Y'a trop de trucs à la seconde, faut que je réfléchisse. Il a cloué la porte ce con. Attends, mais comment ça? Pourquoi je reviens là? Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Comment je fais continuer? Oh merde, j'ai plus ma lampe torche moi.
Ouvrez la porte, mademoiselle, c'est moi. Et si j'ouvre pas la porte, bah peut-être que ça n'avance pas le jeu. Vous avez vu quelqu'un dehors? Je crois bien avoir vu un truc. Ça aurait autant pu être quelqu'un que personne du tout. Donc je lui explique. Bon, tout ça on a vu. Donc là il va aller à la cheminée, c'est ça. Oh putain, non, il vient vers moi. Mac, il est parti chercher une autre amie. Je vais pas répondre. Donc là il vrille, mais en vrai... Bon déjà, pourquoi il n'y a aucun interrupteur dans cette baraque? Il n'y a pas un couteau là pour me défendre après là? Non? Tu sais, je le poignarde dans le dos pendant qu'il ferme la porte, non? Je sais pas. Ouais, on voit plus rien, mais bah écoutez, je vais aller chercher la lampe torche, désolé. Mais j'avoue que moi aussi je vois pas grand chose. Ouais, je vais me cacher au sous-sol, mais le truc c'est qu'il faut qu'il me follow. Faut qu'il me suive. Et en fait, c'est le moment où il barricade la porte que je devrais aller me cacher, je pense. Oh, la musique qui se lance au moment, mais c'est incroyable. C'est mes amis, ils sont quasiment là. Ah bon? Ouais, tu peux repartir si tu veux. T'es sûr de ça? Ouais, j'ai juste surréagi. Peut-être que je devrais rester un peu, m'assurer que tout est ok. Ah bah là j'ai pas le choix. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais là je... Alors si je lui dis que j'appelle les flics, il dira qu'il y en a pas. Je crois pas, non. Si quelqu'un quitte cette maison, ça sera entre l'un de nous. Alors moi je vais courir en bas. Moi, j'ai peur qu'il se soit de nouveau bloqué, je vous avoue. Ou pas d'ailleurs, même pas du tout. Oh putain, sa mère. Y'a pas un truc pour se battre là. Je lui envoie de l'huile à la gueule, je sais pas. C'était peut-être le moment pour partir de l'autre côté. Si tu vois ce que je veux dire. Pendant qu'il y a le dos tourné, je repars, je remonte et je sors par l'extérieur peut-être. Mais après l'extérieur, il y a un mur invisible qui dit qu'il fait trop froid. Donc je sais pas à force. Oh, ça c'est clairement pour me dire, faut que j'y aille. Oh mais non! Miss! La blague. Ah oui, mais c'est fermé, alors comment je fais? Il avait cassé la poignée. On est presque arrivé. Ah, je vais où là? Je vais où? Il ira pas ouvrir de lui-même. Il va attendre que je sorte de la chambre pour aller ouvrir moi-même et il va m'intercepter. Mais je comprends pas si c'est... Mais non. Putain, c'est chiant, elle est longue cette partie. Mais alors du coup, il faudrait que je sorte de la cachette. Il faudrait que je sorte.
Ah non, pardon, regardez, caché dans le sous-sol. Faudrait que je... Mais alors, je comprends pas. Nora, si elle est avec Mike, Mike, il ouvre la porte. Enfin, il a les clés. Enfin... Ah non. Et non, ça sonne parce que la poignée est pétée. Et je suis con. Et j'ai pas la lampe torche, putain, désolé, ça va être trop chiant pour vous. Juste pour la blague, je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, il m'a fait trop peur. Putain. Et c'est quoi, c'était un lit? Il y avait juste un lit, en fait? C'est bizarre de cacher ça, je comprends pas. Ah mais c'est peut-être lui. Mais non, c'est pas lui. Ça aurait pas de sens. Ah si, c'est lui. Non, je sais pas en fait. Oui, il squatte du coup. Mais le vrai proprio, ouais. Bon, qu'est-ce que je dois faire alors? Vous pensez que je dois me démerder pour monter dans le grenier ou pas? Il était dans la pièce, ça ferait trop de bruit. Ah merde. Ah merde. Peut-être que quand ça va sonner, qu'il va se barrer, je pourrais monter peut-être. Là. Non? Ah non, il est encore là. Ah oui d'accord, c'est vraiment à l'instant où on le voit plus quoi. Y'a pas un truc pour me défendre là? Non mais y'a que dalle. Quoi? J'ai essayé de l'éteindre aussi vite que j'ai pu. Ta gueule. Tu vas bien? J'ai appelé 911. Je viens de finir de parler aux autres invités au téléphone. Je suis prêt à faire échappe si je me rappelle. Je comprends pas. Faut que je reparte ? Ah, il est plus là lui. Si je me demande s'il faut pas que je reparte. Hein. Faut pas que je redescende. Mais non, il a appelé le 911. Moi je bouge pas jusqu'à ce que la police soit là, non? Logiquement. Hein. J'ai aucun intérêt à descendre. Il est en bas, il me cherche avec un marteau. Ici, il sait pas que je suis là. La police arrive dans 10 minutes. Bah, il va falloir subir et attendre, non? C'est marrant, baissé, je peux pas passer, mais debout je passe. Non, mais je suis désolé, mais. Ça fait que sonner. J'ai l'impression qu'il va falloir que je descende. Hein. Ouais, moi je crois qu'il va falloir que je descende. Parce que le fait que ça sonne comme ça en continu, ça se sent que ça avance pas. Là, à votre avis, mes amis, ils ont envoyé quoi un message? Réponds hôtel, la belle au bois dormant, on est presque arrivé. Bon, ça, elle l'a déjà dit. Ouais, ok, là, y a rien de nouveau. Bon, je suis désolé, hein. Faut que j'avance. Hein. Mais je vais aller où? C'est quoi cette musique d'ailleurs?
Je vais aller où, moi? Sur le balcon, peut-être? Attends, faut que je réfléchisse. La porte d'entrée, elle est bloquée. Moi, pour moi, il est dans le salon. Non, franchement, je sais pas ce que je vais faire. Hein. Je vais me jeter par le balcon. C'est la seule idée que j'ai. Pourquoi il y a une musique pareille, là, actuellement? C'est trop bizarre. Et saute. Saute, c'est pas très haut. Tu tombes dans la neige, tu vas pas te briser les jambes, crois-moi. Et en plus, le personnage, il marche au ralenti à l'aide. On peut pas courir, hein. Mais pourquoi cette musique, c'est trop bizarre. J'ai plus peur, mais je vais me bouffer un jumpscare. C'est pour faire le dernier ascenseur et... Il s'est barré, tu crois ? Je leur ai raconté tout ce qui s'est passé après que Mike soit parti. Rick avait appelé les flics, la tempête s'était calmée entre temps à leur arrivée, et bien sûr, l'homme était introuvable. Toute la nuit se rejouait encore et encore dans ma tête. On pense que le gars qu'on a vu vivait en secret dans la cabine quand elle était inoccupée, et qui comptait nous cambrioler pendant notre séjour. Mais les flics semblaient croire que ce gars comptait faire plus que juste nous cambrioler. Rick m'a demandé à quoi ressemblait l'homme, et après ça, il n'a plus posé de questions. Comme s'il connaissait l'homme. On pense qu'il en savait plus que ce qu'il nous laissait croire, ouais, ça se sent. Mais au final, il nous a remboursé intégralement. Waouh, putain, il m'a mis mal le jeu. Il m'a mis mal, moi, le jeu, perso. J'étais pas bien. Ah, je l'ai senti passer, le jeu, là. Ben, finalement, le randonneur, il était pas méchant. Enfin, il était pas méchant, il était très chelou, hein, mais... Donc, ils ont ouvert la cave, il y a la police, il y a les policiers qui sont là. Ah, putain, c'était une dinguerie, hein. En fait, je me suis méfié de tout le monde. Je me suis méfié de Mike, mais parce qu'il était chelou. Je me suis méfié du randonneur, mais parce qu'il était chelou. Je me suis méfié du proprio, mais pas trop non plus. Mais en fait, c'était lui le plus chelou. Par contre, je l'ai pas vu venir. Franchement, je me doutais que le méchant du jeu, c'était soit Mike, soit le randonneur. Mais alors que ce soit le proprio, alors ça, je l'ai pas vu venir du tout. C'est vraiment quand j'ai reçu un message devant lui que je me suis dit, oh putain, en fait, c'est lui le méchant. Et ça, c'était très fort. Bravo. Bravo le jeu d'avoir... D'avoir réussi à contourner ma vigilance et d'avoir fait poser mon regard sur d'autres. Oh, très très bien joué, c'est pas mal. Si vous avez une histoire à partager, envoyez-la à fierce2phantomstories@gmail.com. Enculé, con, c'était bien, mais ça fait peur. Hein. Putain, eh ben on attendra le prochain opus du jeu, avec plaisir. Hein. Mais ils ont une facilité à faire peur, ils ont... Les jumpscares, ils sont d'une violence, sans déconner. Oh là là, ils t'arrachent le visage, jumpscare, ils te foncent dessus. Au croisement d'une porte ou quoi, ou quand tu te retournes. Et le style graphique du jeu, un peu PS1 aussi, ça joue pas mal. Non, vraiment, ces jeux-là, à chaque fois, putain, ça me met dans le mal. Mais c'était bien. Hein. C'était bien. Je pense qu'il m'a fait plus peur que celui dans la forêt. Et peut-être plus peur aussi que celui dans la maison. Je crois que c'est celui qui m'a fait le plus peur juste après le... Le motel. Peut-être que je me souviens plus très bien si j'avais eu peur sur le 2 et le 3, peut-être. Le 2, je me souviens que j'avais eu peur juste à la fin. Tu sais, il y avait un truc avec un livreur de pizza, le magasin, mais bon, ça allait. Dans la forêt aussi, ça allait. J'avais plus le temps de m'ennuyer que d'avoir peur. Mais celui-là, cet opus-là... Oh non, il m'a tenu un peu... Il m'a un peu tenu du début à la fin parce que je me méfiais de tout le monde et tout, et je faisais gaffe à tout, et... Ouh, mais putain... Ah, ça m'a niqué. Merci Jovaline Brando pour les 17 mois de resub. Merci Nexoti.
Nexotai pour les 5 mois de resub. Merci beaucoup pour ton message. Ragdoll, merci pour les 3 mois de resub. Sileas0305, merci pour les 51 mois de resub. Euzuli, merci pour les 4 mois de resub. Vipandark, merci pour les 52 mois de resub. Ayam Nekai, merci pour les 7 mois de resub. Mitsuha, merci pour les 35 mois de resub. Lily FSY, merci pour les 7 mois de resub. Et enfin, Xalipanet, merci pour les 3 mois de resub. Bon! Ah, nous allons couper la rediffusion de YouTube. Cette rediff qui sortira demain à 6h du mat, donc dans 7h et moins de 20 minutes. Au revoir YouTube, à très bientôt et à la prochaine. Porte-toi bien. Bisous. Bye bye.